Attends, mais il y a HDV16 maintenant, les gars. What the fuck? Il y a HDV. Réunion de crise sur mon Discord à tous les. À tous les pros. Réunion de crise sur mon Discord. Donc n'hésitez pas. Réunion de crise. iPhone 15 a gagné, les gars. Dinguerie. Ok, mettre à jour. Ah ouais, il faut que je mette à jour. Faut que je mette à jour le jeu, les gars. Non, mais HDV16, là, les gars. HDV16. Donc, je vais jouer à Clash of Clans, mesdames et messieurs. Vous adorez, en plus, quand je joue à Clash of Clans, les gars. C'est le dernier soir. C'est la dernière ligne droite, les gars, avant de pouvoir gagner une Tesla. Et ce soir, pour fêter ça, j'offre un iPhone 15. Et je voulais absolument faire tout ça, les gars, avant Noël. Alors, hey, j'ai un peu joué de mon côté, les gars. J'ai un peu joué de mon côté pour améliorer un peu les extracteurs de jus. Parce que je me suis dit, vas-y, hein, on va pas perdre de temps, les gars. Donc, inscrivez-vous sur la plateforme Clash of Corps. Je vais vous la montrer, les gars. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait là-dessus. Clac, je vais me connecter. Et je vais vous montrer un petit peu, les gars, le site. Donc là, vous voyez, on est actuellement deuxième. La team squelette est en train de dompter. Dompter, les gars. On est en train de dompter. Franchement, mec, on est à 162 000 trophées, les gars. On a les meilleurs joueurs de la planète. On est en train de dompter, les gars. Ok? Et toujours à vendredi. Ou vendredi, l'un de la team squelette gagnera une Tesla. Je rigole même pas, les gars. Je rigole même pas. C'est un truc de fou. Salut. Allô? Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va super, ouais. Veux-tu que je te dise un peu la mise à jour? Ou tu Attends, t'en tu veux bats les couilles? m'expliquer la mise à jour? Attends, 2 secondes, 2 secondes, attends, 2 secondes, 2 secondes, attends. Vas-y, Attends, vas-y. attends. Tu me dis ça, tout ça après. Donc inscrivez-vous, les gars. Là, je vais récupérer mon cadeau. Attention, tous les jours, il y a un cadeau à gagner. Merde! Et dans 39 minutes, il y a un nouveau cadeau. Ah ouais, les gars, dans 39 minutes, il y a un nouveau cadeau, les gars. Ok? Donc tous les jours, vous pouvez tenter votre chance. C'est le calendrier de l'avant, les gars. Ok? Donc tentez votre chance de gagner un cadeau, les gars. iPad, trottinette électrique, iPhone 15. La totale, les gars. La totale, franchement, c'est que de la régalade, s'il te plaît. Donc voilà, je vous donne rendez-vous aussi vendredi en live sur la chaîne d'Inox. Ce sera un IRL avec Domingo pour faire triompher la team squelette qui va bien entendu gagner, les gars. On a les meilleurs joueurs d'Europe et du monde, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, hein, les gars? Voilà. Donc il y a une Tesla à gagner, juste ça. Et le meilleur joueur du clan de la team squelette remportera un scooter électrique et un casque aux couleurs des squelettes. Donc c'est parti, mesdames et messieurs. Il y a déjà la publicité, c'est bon. Hashtag collaboration commerciale. Point d'exclamation Clash of Corps. Déchirez le lien, inscrivez-vous. C'est gratuit, tout est gratuit, mesdames et messieurs. Et là, pour le moment, le gars qui est parti pour gagner le scooter et le casque, c'est Navi Synthé. Voilà. Donc là, attends, il est passé où, petit noob? Ah ouais, non, mais il s'est fait éclater. Non, Synthé, il est trop chaud. Hein. Ah Synthé, il est ouais? trop chaud. Ouais, mec. Attends, mais on a des nouveaux là, DJ Polo, il sort d'où? Je sais pas, mais il y en a peut-être qui ont joint entre-temps. Mais tu vois aussi, le troisième, Ah ouais, ils Eriam, ont rejoint aussi entre-temps, un mec. Hein. pro qui est très chaud. Monsieur Eriam, tu sais. Eriam? Mais attends, il était pas avec nous, Ouais, c'est un Eriam, en pro. vocal? Non, mais lui, Eriam, c'est un peu un trait parce qu'il a mis un compte dans chacun. Fait que c'est un peu un trait. Il est dans chaque Non, équipe. mec, il est trop fort. Et attends, il est top 10 dans tous les comptes? Oui, genre top Oh, 1 dans les autres. non, mais c'est trop, mec. C'est trop. Donc là, je vais lancer mes trucs. Vous avez vu que j'ai fait des trucs de jus là? Mon jus là, il est niveau 10. Ok? Donc pendant la semaine, les gars, j'allais améliorer mes trucs de jus. Et j'ai plein de trucs au magasin. Oh, wow! 119 euros! Ah oui, il y a eu des offres de mise à jour. Fait que mec, c'est giga value. Là, ça, c'est avec la mise à jour. Attends, ça c'est avec la. Là, attends, tu rigoles. Ils ont mis un pack à 119 euros. Ouais, y'en ont mis C'est plein, quoi les là. livres? Y'en C'est ont quoi mis les plein. livres? Bah, toi, à ton niveau, ça sert à rien. Mais un livre, ça fait terminer une amélioration instantanément. T'as pas besoin d'attendre. Donc, ouais, quand t'as des trucs de semaines, c'est grave utile. Ah ouais? Ouais. Ouais, bah, par exemple, nous, il y a des améliorations Attends, qui attends, attends, prennent attends, y 20 a un truc jours. gratuit. Attends, 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 2 secondes. J'ai récupéré un truc gratuit direct. Alors Ah, déjà. puis mec, on t'a préparé du contenu aussi, hein. Il y a Ouais, devant on s'est GDC. organisé un peu Ah ouais? pour l'occasion, ouais. Ah ouais. Là ce soir? Tout est prêt pour toi, mec.
Ouais, ouais, on a tout attendu pour le live. Non, vous m'avez fait du contenu là. Si. Cadeau de Noël. Ouais. Attends, c'est quoi? Eh mec, pourquoi il y a des rips partout là? Je me suis fait niquer? Non, ça c'est les adversaires qui se sont fait niquer. Ah ouais? Tu peux y récolter. Enlève le camitaire ou place-le quelque part. Puis après ça, tu vas pouvoir juste kicker dessus puis ça va les enlever. Ah mais attends, mais c'est incroyable. Attends, vous m'avez préparé du contenu là? Attends, c'est incroyable. Mec, argué. En dessous du chat, t'as un bouton avec deux épées. Kick dessus. Puis là, tu vas voir la GDC. Hey! Vous voilà enfin chef, bienvenue dans la zone de guerre. Nos ennemis sont assoiffés de violence, mais notre clan est là, prêt à se battre. Regardez chef, par là. Là, si je lance, c'est bon? Oui, ça, là, tu peux regarder tout le temps. Ouais. T'as réservé des petites surprises. Ok, attends, j'ai trop hâte. Est-ce qu'il faut que je grandisse mon jeu avant ou pas? Mes contenants de jus? Oui, en vrai, okay. Les attaques sont limitées par ici, alors nous avons besoin de notre clan pour affronter toutes ces bases. Observez les environs. Chef, ensuite nous nous pencherons sur leur propre base de guerre. Merci EmblemCR pour les 5 subs. Merci mes chéris pour les subs. Installez-vous, bande de noobs, ils sont réduits à 25% les gars. Pendant le jour de préparation, nous pouvons donner des troupes et partir aux reconnaissances des ennemis. Le jour du combat, on passe à l'attaque. Seule la victoire compte ici. Pas les trophées ni les boucliers. Touche le bouton d'info pour en savoir plus. Ouais, mais... Donc, guerre épique dure 2 jours. Ok, vas-y. Une guerre de camp, t'as 23 heures de préparation. Fait que 23 heures. Vraies heures. Préparer, choisir ta base, puis tout ça. Puis après, ouais, ça, t'as 24 heures pour faire tes attaques. Là, mettons, il reste 18 heures au round. Pendant ton absence, on a déjà fait une GDC. Ça, c'est la deuxième. Fait que tu peux regarder si tu veux, mais la première, on les a vraiment détruits. Ok. Là, c'est la deuxième GDC. Ok, mais attends, je suis rentré, c'est grave ou pas? Non, c'est parfait. Ok, il faut que j'augmente mon jeu ou pas? Oui, tu peux lancer des améliorations en masse. Ok, qu'est-ce que j'améliore là? Parce que j'ai pas beaucoup de jus, les gars. Ok, déjà, place les nouveaux bâtiments. Ok. Dans les magasins, puis mettre tout ce que t'as de... 25 millions. les gars, ça fait quoi les... Là, j'ai des extracteurs de jus. Caserne noire, ouais. C'est bien? Oui, c'est cool, ouais. Est-ce que vous avez d'autres trucs pour choper du jus, les gars? Parce que là, c'est chaud, là. Mec, il y a plus de challenge, mais t'inquiète. Achète une offre, puis tu vas être full. Ah, mec. Est-ce que je fais foreuse d'élixir noir? Oui, mets tout. En vrai, okay, c'est un peu long. Faire des trucs courts, par exemple, canon, tour d'archère, ça prend 10 secondes. Fait que place des petits trucs rapides. Ok, ça marche. On a tout placé tranquillement. Putain, le roi des pirates, 5000 d'encre noire, les gars. Avec la mise à jour de l'HDV16, ils ont réduit les temps d'amélioration pour les autres HDV. Donc maintenant, tu montes rapidement. Donc c'est vraiment une super mise à jour. Tu peux aussi mettre la potion bleue. Ah ouais? La potion bleue, comme l'autre fois, qui va 2 fois plus vite. Ah ouais, ils ont amélioré le temps? Ouais, ah, ils sont trop forts. Enfin, il y a un PDF, mais je peux pas te le sortir. Ils sont trop forts. Ils sont juste trop forts. Ah oui, et qui c'est qui m'a placé tous les aimants dans ma base là? Skillboss qui a fait ça. Naraka. Lui qui a fait ta base? Ouais. Ouais, regarde, j'ai 7. Vu que t'as des nouveaux bâtiments, il va t'en falloir une autre. Je peux essayer d'en trouver une. Là, je crois pas qu'il est là ce soir. Ouais, non, il est pas là. Tesla camouflé, c'est quoi ça? C'est un nouveau bâtiment, c'est une défense. Chuuuuch! Oui, c'est bon, Naraka est là, il va t'amener une base à GVC. Oh là, mec, ça c'est royal, hein. Attends, mais je vais peut-être passer le niveau, mec. Ouais, tu vas passer 8 direct, tu penses? Ouais, je pense, ouais. Ah, c'est speedrun. C'est bien ou pas si tu passes? Eh, petit loup, tu t'es fait éclater, il se passe quoi, ouais, là? En vrai... J'ai lâché. Ben, un peu. Parce de la GVC. Putain. Les gars, vous avez abusé, là. Mais les défenses sont parties. Donc j'avais des trous dans la base. Fait que c'est des paires faciles. Ok, j'ai rien compris, mais force à toi. La GV16, c'est compliqué là, quand il y a une voix HDV. C'est vraiment, c'est un peu pay to win au début. Il y a tant que le monde se montre. Attends. Ils sont meilleurs. Par contre, j'ai plus d'arbres que tout à l'heure là. Ah, déjà max. La moitié, vrai, héros, tous les bâtiments. Max les défenses normales, genre. Moi j'ai pas d'argent, j'ai rien max.
Ouais, allez, c'est bon, ils ont gagné. Niveau 22, les gars. Hop, mec, GG. Merci. Putain, ça a changé. Avantage ! La tirelire de saison se remplit quand vous récoltez les butins dans les batailles. À la fin de chaque mois, le contenu de la tirelire est transféré dans vos réserves. Les autres avantages vont être utilisés. Ouais, ça, c'est un pass or que tu peux acheter. Ah bon ? Ouais, c'est un pass royal. C'est bien ça ? Mais si tu joues juste ce soir, c'est pas Vayu. C'est pas Giga Vayu si tu joues juste ce soir. Ok, ok, ok. Bah, c'est très fort sur la durée. Sur, quoi. C'est très fort sur la durée ? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que t'as un boost. Potion d'entraînement, les gars. Don de une gemme. Attends, quoi ? Ouais, mais ouais. Ouais, mais pour toi, ça sert un peu à rien. Potion d'entraînement ? Mais le potion d'entraînement, c'est. Cool, Naraka, il y a un vocal. C'est un modo pour Switch. Switcher Naraka, les gars. Comment je récupère le gardien de pain d'épices ? Ça faut t'acheter un pass, justement. C'est juste un skin. Ah, c'est le pass d'or, ça ? Tu débloques. Ouais, là tu débloques HDV 11. Fait que si tu montes HDV 11, dans tous les cas, tu auras pas. Oh merde. Et il est passé où mon battle pass normal ? Bah là tu l'as encore, mais c'est comme un nouveau. C'est un nouveau pass. À partir de HDV 7, okay. C'est un nouveau pass. Ok, 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 ok. Putain, hey, les gars, j'ai la pression là. Vendredi, faut qu'on gagne. Faut gagner une Tesla, les gars. Mec, si tu veux voir les résultats de l'autre game de cartes qu'on a fait, t'as juste à cliquer sur clic sur clan. Quand je tourne clan, clic sur clan. Après, ouais, attends, 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 deux secondes. Bah ouais, ah ouais? Ah non, c'était no match. Souvent, je suis en train de faire des walls là. Parce que là, les gars, là, on a de la thune à dépenser, les gars. Les walls, on est d'accord, faut tous les faire, on est d'accord, hein. Oui, t'avais tout. Ouais. Bah, après, j'y vais. Je dépense ma thune ou pas ? Il est démeur. Parfait. Est-ce que je dépense ma thune ? Sur un château de clan ? Ouais, oh, il dépense. Château de clan ? 6, je crois que t'as assez. Château de clan ? Clique sur château de clan, clique sur clan. Ouais. Puis là, tu me vois sur clan pour voir ton clan en fait. Et j'ai un peu de décalage live. Puis là, clique sur journal de guerre. Attends, je te partage mon écran. En haut complètement. Message, trouver des membres. J'ai partagé mon truc. Ok. Ouais, vas-y. Journal de guerre. Okay, mec, kick, tu veux regarde, tu que je regarde. Ouais, tu fais détail. Puis ça, c'est l'autre guerre, on les a détruits. 30-15 ça veut dire quoi 15? Bah, eux ont fait 15, puis nous on a fait 30. 15 quoi? Ils ont fait 15 victoires? 15 étoiles, puis nous on a fait 30, nous on a fait max, on a fait 100%. Ah eux, ouais! C'est qui? C'est toi, RTTF? Mais t'as que des étoiles, t'es nul. Non, ça c'est sur ma base en défense. Moi, en attaque, j'ai fait des 3 étoiles. Si tu regardes ennemi, clique sur le bouton. Ah donc ça, c'est ta base, donc en gros, t'as défendu 2 étoiles sur 3, ils t'ont pas jamais tout détruit. Non, c'est ça. Puis regarde ennemi. Et là, les bases des autres, c'est pareil. Toutes. Ouais. Tu peux pas ripper à cause de la mise à jour, les rippers sont désactivés. Ok. Et là, clique sur ennemi, ah bah, trop tard. En tout cas, t'aurais pu voir, toutes les bases ennemies, on a fait 3 étoiles. Ok, voir la carte, ennemi. Ouais. Y'a un petit courrier, ça veut dire quoi le courrier là? Ben ça, c'est nous qui a mis pour dire qui attaquait puis qui faisait quoi. Comme toi, on t'a gardé une base pour que t'attaques. Ok, et là, je dois attaquer là? En vrai, tu peux attaquer plus tard quand tu vas être meilleur. Au calme. Comment ça, je vais être meilleur? Bah, je sais pas, tu vas t'améliorer un peu pendant live. Comme tu vas débloquer des nouvelles troupes. Pis Fait que mec, je sais pas, est-ce que tu comptes rester HDV 7 ou passer 8? Parce que si tu passes 8, y a des. Ça fait quoi si tu claques un livre là? Un livre? Ça bah, c'est pas worse. Ça va juste claquer 45 minutes. Fait que ok, est-ce que je passe HDV 7 les gars ou pas? Ouais, passe HDV 8, passe HDV 8. Mais là, il va te manquer des défenses à passer, je crois. Je pense pas que t'as. Merde. Il me manque quoi à placer ? Pour retourner voir dans les magasins. Attends, le méga pack. Le méga pack. Est-ce que je fais les réserves d'élixir ? Ouais, mais ça. Mais en vrai, si t'achètes un pack. Est-ce qu'il va y avoir un pack que j'ai laissé ? Ouais, ouais, non. Normalement, oui. Je crois que t'as le roi niveau 1 quand tu prends le. Non, niveau 5, je crois même, quand t'achètes un pack. Ouais. Normalement, t'es déjà niveau mag, je crois. Ouais.
Non, il y a mais Jutri là, mais Jutri il marche bien. Tu veux tout 10 10, c'est 10. Merci Ram pour les 5 subs, merci les gars. Ouais. Non, je peux pas acheter de méga pack, les gars, j'ai pas d'argent. Non, regarde dans les offres, puis regarde s'il y a un pack moins cher, mais avec juste le roi des barbares. En tout cas, tu vas voir, mais regarde dans les offres. Va dans les magasins. Attends, tu veux où? Puis scroll les offres. Va jusqu'à la dernière. Continue à scroll. Offre de la mise à jour, mec. 5,99€. Ouais, mais... puis... ah oui, voilà. C'est celle-là qui t'intéresse. Il y avait pas le roi. Mais pourquoi ils ont changé le pack? Il y avait le roi. J'aime pas le roi. Ouais. Ram, merci encore pour les 5 subs. Merci, ma chérie. Avec le roi, y avait-tu une autre défense qu'il fallait mettre avec? Parce que quand tu mets une défense, ça t'enlève tout pour mettre des ressources en place. Il a pas dû mettre la tour à bombe. Elle est pas la tour à bombe, mais en GB7, c'est. Ah, oh, il a mis la Tesla. Ok, ouais. Il fallait pas te mettre la Tesla. Ah, j'ai mis les Tesla? Ouais, mais tant pis, trop tard. Merde! Peux-tu retourner voir le pack? Juste pour voir s'il y a des XR noirs. Allez-tu à les mains liées, paye, paye, paye? Les mains sont liées. Les pieds sont liés. Mes mains sont liées là ou pas? Je lis tes mains. Il y a le dernier pack. Retourne voir le dernier pack. Attends, je me fais le truc d'élixir. C'est bien l'élixir noir? Vas-y. Oui, c'est bien. C'est bien, mais c'est long à farm. Ouais, ça permet de monter les champions. Ouais. Mec, j'ai aucune place dans la base qui m'a faite. Non, mais tu peux en mettre extérieur. Ça, c'est une base HDVCS aussi. Putain, ça commence à coûter. Ram, merci mon chéri! Non, c'est pas grave, c'est. Non, c'est bon. Ça commence à coûter là, les gars, ça commence à coûter en gems. On va voir le dernier pack. À tout moment, il y a des extra noirs dedans, puis ça va être OP. Il y en a pas, mec. Il y en a même pas. Ah ouais, c'est vraiment. Non, il faut que j'achète les méga packs, vraiment. Il me force la main là, mes mains sont liées. Attends, il y a des gems ou pas au moins? Il y a même pas de gems, frérot! Si t'achètes pas le roi des barbares, tu peux pas monter à GB8. Bah comment j'ai de l'encre? Bah il faut que t'en farmes, sinon on farme. Ou on farme, ouais. Bah viens, on va en farmer. Si t'achètes pour 400 000 encre, mec, t'es bien pour un bail. Hein. Ah t'es vraiment bien pour un bail. Ah ouais? J'espère bien que je suis bien pour un bail. Ok, est-ce que y a un moyen de choper des ressources là? En attaque. Oui, y a moyen. Mais là, il n'y a plus de challenge. Fait que. En vrai, tu peux faire de l'entraînement. Vas-y, t'avais bien aimé l'entraînement. Ouais, mais attends, avant, il faut que je tacle tout mon or. Bah là, t'as pas d'ouvrier. Si, si, t'inquiète, ça se trouve. Vas-y. Je tacle tout mon or là. Bah, mes mains sont liées. Garde-en pour l'HDV, quoi. Vas-y, garde reste. 2 millions pour l'HDV. Va t'entraîner un peu, puis tu vas découvrir une nouvelle troupe de HDV7. Attends, du coup j'ai un ouvrier là, mec. Mais le réservoir. Le réservoir de quoi? 250 000, le réservoir à 250. Et que c'est noir. Ouais, voilà. Ouais, mais lui il va pas extracter, mec, on veut l'extracteur. Non, lui, ça c'est une réserve. Ça extracte. Ouais, mais ça, nous on veut l'extracteur. Ouais, l'extracteur il coûte plus cher. Bah ouais, parce que si on n'a pas l'extracteur, du coup, attends, y a pas du jus là? Y'a pas du jus vite fait là? Bah oui, y'en a dans les entraînements. Y'en a dans les entraînements. Dans les entraînements y'en a? Ouais. Et c'est pas grave si je surstack du gold? Bah en vrai, sinon, si tu dépenses tout de suite, t'en auras plus après. Ouais, mais attends, viens, j'en dépense juste un petit peu. Je peux stacker combien de gold là? 1 100 000. 1 100 000? Tu peux descendre à 800 000. Vas-y, descends à 700 000 à peu près. Combien? 700. Garde-toi 400 000 de marge. Fait que descends jusqu'à ce qu'il te reste 700 000. Attends, une seconde. J'ai un petit problème là au niveau des murs, les gars. 2 secondes. J'ai un petit problème au niveau des murs. Attendez. Voilà. Ok, nickel. Ok, nickel. Ok, j'ai tous les murs, les gars. Poggers. Oui,
Fait qu'un mec, bah en vrai tu peux tout y mettre en jeu. J'y pensais jamais t'allais jouer à un jeu pay to win. Ils ont c'est pay to fast. Pour jouer à ce jeu Kappa. Très cher, mais c'est pay to fast, mec. Le vieux flash 10 subs, merci mon chéri, merci les gars. Très très cher. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse, les gars. Et en plus, il y a un iPhone 15 à gagner, les gars. Et d'ailleurs, c'est sûrement pas toi qui va le gagner, l'iPhone 15. T'inquiète pas. Parce que les aigris comme toi, ils n'en gagnent pas. Bon, alors, objectif. Je fais un entraînement. Ouais. Y a pas du jus noir. Attends, t'en as bloqué là. Paquet de dragon, cochon, ballon. Non, mais 200 000, mec. Il faut que je claque. Il faut que je claque. 200 000. Ouais, tu peux claquer dehors. Ouais. Il faut que je claque dehors. Mets toutes tes mains roses. Mets toutes tes mains roses. Bouge rose. Non, non, attends. Ah, trop tard. Tant pis. Fais yoting. Yoting rose. Hein? Il t'en reste une ligne de doré que tu peux mettre rose. Oh, mais là, je suis vraiment à sec par contre, mec. Non, ça va. Avec les entraînements, tu vas remonter. Fait que, mec, tu peux aller faire les 3 entraînements. Attends. Est-ce que j'améliore mon. Eh, c'est quoi remplir? Ça veut dire quoi remplir là? C'est quoi ça là? Ça, c'est une rune. C'est ça va te mettre à ton max. Et attends, je peux pas claquer la rune dans l'extracteur. Je sais pas si t'en as une, mec. Kick sur une réserve. Je suis en train de l'extracteur d'élixir noir. Ah non, okay, voilà, là je l'ai vu. Attends, vous me déconcentrez, les gars, j'attaque. Parfait. Il est l'heure d'attaquer, les gars. Je suis tuto. Bien, mec, en HDV7. Okay. Approchez-vous de la base, détruisez l'une des défenses antiaériennes grâce à des sorts de foudre. Détruisez l'une des défenses antiaériennes. Faut que tu actionnes les sorts de foudre dans ta barre. Attends, t'es sérieux là? Ouais, ça c'est des sorts. Ah ouais! Ça c'est le roi des barbares. T'es pas eu le roi des barbares pour protéger. C'est le boss lui? Ça c'est un héros. C'est un... Déployer un dragon pour dégager chaque côté de la base. Attends, t'as un en bas. En bas t'as un dragon en haut. Ok. Les points de vie du roi de barbare diminuent. Activez la capacité. Ah, j'ai juste à recliquer sur le barbare. Ouais. Il va mourir. Tu vois, il est enragé, il fait spawn. Mon roi est mort. Brave. C'est dragon. T'as encore 8 dragons qu'ils vont te dire de mettre. Et dragon. Je peux te mettre un milieu. Vu que j'ai tout pété en défense aérienne, il peut rien faire. Tu as encore un sort de foudre, on peut le mettre n'importe où. Bim! Attends, et dragon, c'est AOE, les gars? Non, c'est mieux aussi. Ouais, mais ça, c'est une des possibilités. C'est OP quand même, mais ça, c'est double. Toi, c'est un pro gamer. Il y a d'autres choses que ça. Ça, c'est un truc de noob. Attends, répète, c'est quoi les dragons, c'est un truc de noobs? Ouais, c'est la facilité. Attends, c'est la facilité, mais c'est bien ou pas? Oh ouais. Oui, c'est bien, le mieux. Ah, c'est le meilleur? Les dragons, c'est bien, c'est simple. L'obstacle, mettons, il joue des dragons. Toi, t'es un programmeur ou pas? Fait que si tu veux, un vrai. Non, moi, je suis pas un programmeur, frérot. Moi, je veux gagner pour la team squelette, donc je fais quoi? J'utilise les dragons? Non, tu vas pas prendre les dragons. Fais le prochain entraînement, puis trois mois, tu vas pas prendre les dragons. Non, mais mec, je peux pas. Il faut me donner des trucs le plus OP. Inox Tag, il spam les dragons? Il est pas bon. Il est pas bon? Ah non, t'es meilleur. Mais comment tu sais que je suis meilleur? J'ai même pas joué là. J'ai à peine fini l'entraînement, mec. T'es un programmeur. Vas-y, mec. Là, fais le prochain entraînement. Là, c'est les cochons. Puis ça, les cochons. Ça, c'est là avec les cochons. Tu vas pouvoir être bien. L'hôtel de ville 16 est là. Famille et furtif, troupe dévastatrice, défense inédite et capacité de héros. Vous êtes HDV 16, les gars? Ouais, j'en ai deux. Vas-y, mec, fais un autre entraînement. T'as deux HDV 16, comment c'est possible? Ah, mec. Attends, j'ai un ouvrier là, attends, j'ai un problème. Qu'est-ce que j'améliore là? Eh, hey, mec, j'ai pas concocté des potions là. Oh, il me faut du jus, les gars, il me faut du jus. Ouais, justement, construire les entraînements. Attends, viens déjà, tu m'as pas dit de former des employés, mec. Ah ouais, je mets quoi là? Je mets quoi? Toi, c'est pas ouf, hein.
J'ai quoi comme employé là? Quatre en noir qui se forment. Ouais, mets des sorciers, mets des sorciers. Des sorciers? Oh ouais, ouais. Parfait. Ok, c'est bien ça? Parfait. Ouais, fait que continue à faire l'entraînement. Tu vas pas faire l'entraînement avec les cochons. Ok, c'est parti. Merde. Ça donne rien à la bataille de clan là? Faut attendre 18h. Attends, tu vas y faire après. Tu vas y faire après. Faut attendre 18h? T'inquiète. Non, ah, j'aurais pas vu, non, c'est vrai. J'avais pas vu. On va y faire en même temps. Tout le monde est ready. Au fond, les cochons. Ouais, voilà, fais ça. Attends, mais là, je vais surstacker là, non? Fait que mec, il est cochon. Ça, c'est OP, puis c'est quand même beaucoup plus skill. Roi des rois pour qu'il s'occupe des rois des ennemis avant que ceux-ci ça. Attends, donc en gros, il y a un roi qui sort aussi pour défendre? Ouais, ton roi. Et le roi, il sort du spawn de la ta... Ah, ok, c'est fort. Déployez les sorciers pour aider votre roi. Aidez votre roi, bande de noobs! T'inquiète. Aidez votre roi! Attends, et déployez tous les chauffeurs de cochons pour qu'ils attaquent. Spam, et voilà. Pilote. Les points de vie du roi diminuent. Je suis sa compassance. Mais attends, mais c'est incroyable ça! Ils sautent au-dessus des murs, les mecs! Oui, oui, c'est ça. Ah, mais ils sont trop. Ils prennent trop cher. J'ai essayé. Je suis mort là. Ouais, c'est pire tuto, wesh. Mec, j'ai tout fait. Tuto, j'ai tout fait. What? Non, par contre, c'est le pire tuto que j'ai jamais vu. Ils ont changé. Il est en retard en tout cas. Quoi de merde? What? Refais sans aide. Ouais, ouais, refais sans aide. Ok, tu mets le roi pis sorcier. Pierre, prépare-toi à soin. T'inquiète. Pierre, tu peux mettre une potion sous la poche aussi. Voilà, merde. Parfait. T'inquiète, bébé, t'inquiète, je suis là. Oui. T'inquiète, je suis là, t'inquiète. Allez, les gars! J'ai plus de potion, mec, je suis dans la merde! Je suis bien? Ouais. J'ai l'impression que non. Ça, mec, c'est plus fort que les dragons. C'est vraiment ça que qui m'a dit. Ah, c'est les cochons? Tu veux que je focus faux cochon? Voilà. Tu veux vraiment que je focus cochon? Ouais, pis y'a un petit cochon, on a joué 8 aussi, c'est ok. On a joué 8 aussi, tu vas pouvoir jouer cochon. Y'a un mec qui m'a dit le heal, c'est un peu trop tard. C'est un noob, non? J'ai vraiment bien joué là, non? Hein? Ça fout les perfs, tu fais 100% dans tous les cas. Non mais là j'ai perf ou pas j'ai pas perf? Dis-moi. Oui. J'ai été 100% parfait là. Ouais, c'est bon. Ok, vas-y, alors tais-toi, ça noob. J'ai les meilleurs joueurs du Québec qui me parlent et toi t'es un noob, mec. T'entends? T'es rien, moi j'ai perf. Moi j'ai perf. Vas-y, il te reste un entraînement si tu veux. Ouais, mais là je vais surtaquer, non? Non, ça soit correct. Mais du coup, quand je fais l'entraînement, je débloque la. Non, débloque pas. Mais je débloque pas l'unité? Ça, pour y débloquer, faut que t'améliores tes casernes. Raid aérien. Après, je vous de la base derrière le propulseur d'air. Comment je fais? Déployer des ballons ici. Ok. Utilisez les sorts de rage pour rendre vos ballons encore plus rapides. J'ai mis click. J'ai mis click. Pas de réponse pareil. Ok. Attends, mais c'est trop fort la potion de rage, mec. Ouais. Mais soin aussi ça. Il y a deux ça. Voilà, puis... Bon, ça c'est un peu dans le tuto, mais en réalité c'est pas si fou. Les ballons, on a acheté les 7, c'est pas une idée. Mais d'accord, c'est une base de Kikou. Ouais, pas du tout. Parce que moi quand je vois vos bases, c'est des zigzags non-stop, tu vois.
Fait que vraiment, il y a mieux, je te conseillerais si ça va être les cochons. C'est quoi? Les cochons. Les gars, tout le monde est d'accord, je focus cochon? Ouais. Perso, ouais. Ah ouais? Cochon, c'est très fort. Attends, je suis en train de sucer son jus là. Oh là là, il est bon le jus. Mec, il y a Goat, des cochons, c'est Synthé. Puis Synthé, il est dans ton équipe. Fait que pour lui faire honneur, je suis cochon. T'es sûr de ça, ouais, mec? Lui, c'est Goat, des cochons. Ouais, lui. Mec, c'est... Mais mec, si je mets pas de potion de heal, je suis mort avec les cochons, non? Ouais, c'est ça. Fait que tu mets les soins comme faut, puis... Ouais, parce que mec, genre, j'ai l'impression qu'ils perdent trop de vie trop rapidement. Donc si j'ai pas de. Si je les heal pas, c'est mort. Ouais. Les cochons sont méga fragiles, hein. C'est chaud là, j'ai peur. Naraka le bug, fait que si quelqu'un peut le switch. Mais j'ai pas les cochons. Oh mec, je t'ai vu, je peux ça, rechercher une potion là. J'améliore la potion. Ça va être débloqué dans la caverne noire. Ok, donc là j'ai lame et les mains sont liées, je suis obligé de payer le truc. Non, 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 ça coûte d'élixir. Tu vois le truc qui reste 7 heures à gauche. Ouais, il faut que je le clade. Il reste 7 heures. Ok, là je peux faire le truc. Le suceur d'élixir noir. Tu peux le mettre à gauche, parfait. Ok, et là il faut que je finisse le. Non, oh, pas lui, l'autre. Je suis juste à côté de ce que tu viens de mettre. Il reste 7h36 à gauche. Vraiment juste à côté à gauche. Ouais, tu veux que je finisse ça? Ça, c'est la caverne noire. Eh, hey, j'accélère mes ouvriers. Boum! Oui, oui, accélère. On y va, les gars! Ça, mec, il y a caverne noire. Au niveau 1, tu débloques, il y a gargouille. Il y a des petits trucs bleus qui se promenaient. Attends, mais 7h34 avec les ouvriers accélérés, ça fait quoi? Ça enlève 10 heures d'une potion. C'est presque une heure, fait que c'est pouf. Ça va être super long. Hein? En vrai, j'aime. C'est trop long, j'aime. Ouais, là, mec, mes mains sont liées. Il faut que tu améliores au niveau 2. Kick dessus pour améliorer. Je peux pas, il me manque du jus. Attends, kick quand même, t'inquiète, kick. Il va avoir un menu. Puis là, tu vas débloquer les cochons. Au niveau 2, tu débloques les cochons. Donc là, mes mains sont liées là. Ouais. Non. Là, mes mains sont liées. Chat, mes mains sont liées? Quand même, en vrai. Je re dans 30 secondes. Non, parce qu'il faut que je sois prêt pour vendredi, les gars. Si je suis pas prêt pour vendredi, les gars, mes mains sont liées là. Au secours, Naraka, aide-moi. Quelqu'un, aidez-moi! Switchy Naraka! Aidez-moi, les gars, je vais faire quoi là? Je peux rechercher des trucs? Je peux rien, j'ai pas de jus. Bah, la seule fois pour avoir des ressources et attaquer, sinon, ouais. Non, mec, il me faut du jus là. Si j'attaque des bases, je peux voler leur jus? Ouais, tu peux. Ouais. Naraka, je fais quoi là? Ah, bonsoir. Bonsoir, il me faut du jus à balle là. Ouais, bah là, mec, c'est chaud. Je t'ai partagé des bases sur le chat de clan si tu veux. Merci. Comment je fais? Copier HGV7. C'est Aulus? Ouais. Terminé? Ouais, je suis sûr. Ah non, Naraka, t'es sûr de la base? De quoi? Je sais pas. Vas-y. Là... Non mais j'en ai mis 3, ça c'est une base farm ça. Ouais, prends la première finalement, retourne, fais annuler. Je peux rien faire, mes mains sont liées. Ah c'est parce qu'il y a trop d'obstacles aussi, il faut supprimer des... Mes mains sont liées. Ouais c'est bon, c'est parfait, ça c'est parfait. Putain mes mains sont liées dans ce jeu. Actif. Merci. Retourne sur... Ah merde. Il y a création de village, juste entre paramètres, à droite, il y a un petit bouton, à droite. T'inquiète. À droite mec. Ok, puis là tu fais définir comme actif. Voilà. Ok, c'est bon, mes mains sont liées là, chat, non? Mec, il manque un wall là, tu fais quoi là? C'est normal, c'est strat, c'est. T'inquiète. Ah, c'est, ça te pousse là-dedans là? Ouais, ça te pousse dans le. Ah, mais les gars, vous êtes trop chaud. Ok, mec, je sais pas si on commence un GDC. Tu stream combien de temps?
C'est quoi GDC? Et Agar. Ça dure combien de temps? Bah, faut juste qu'il monte en attaque. Ça dure combien de temps? Je sais pas, mec. Une heure. Bah, je pense qu'il restait 18. Ok, ouais. Attaque, ouais, il 18, ouais. Et le temps que le monde est sur le live attaque. En une heure, ouais. Je pense que c'est bon. Hein. Pas. Bah, oui. Donc là, tu m'as fait terminer un truc, frérot, où je peux rien faire avec. Il gargouille. C'est ça. Ouais, mais mec. Tu m'as fait claquer 88 gemmes. Pour me dire que mes mains sont liées. Mec, si tu veux, on commence à GDC. Ça veut dire, mec, je gagne quelque chose ou pas? Oui, toi, ouais. GDC kick sur la guerre et deux petites épées. Et je gagne quelque chose? Deux épées à gauche. Toi, je vais gagner quoi, les gars? Je vais gagner quoi? Tu vas gagner full ressources, mais tu vas juste les avoir dans 18 heures. Tu les auras pas tout de suite. Ah. T'attaques quand même. Ok, vas-y, on passe à l'attaque? Ouais, il y a 25. Si tu veux faire explorer, kick sur le 25. Et dernier, explorer. Puis mec, c'est ça qu'il faut que t'attaques. Mais frérot, il va m'exploser la gueule, t'as vu ce qu'il a? Non, c'est toi qui va exploser, il est nul là. Par contre, faut que tu fasses gaffe. Parce que là, il y a un château de camp. Tu vois le bâtiment. Non, en mais bas, j'ai même pas mon roi, mec, je fais comment là? Mec, vas-y, attends, au pire, tu attaqueras plus tard. C'est pas, mec. Je sais pas. T'es chaud. J'aime pas mon roi, je fais comment? Sinon, il faudrait. Mes mains sont liées ou. Avec les géants. Est-ce qu'elles sont un petit peu liées ou genre très beaucoup liées, les gars? Ça doit pas, mec. En plus, pour avoir des yeux sur noir, il faudrait l'offre à 60 balles. Sinon, tu peux pas avoir le roi. Mais est-ce qu'il a une potion de puissance ou pas? Putain. Aucune de. Attendez. Mes mains sont pas tant que ça liées, les gars, regardez. Vas-y, attends, non, attends. Je peux acheter 400 gemmes? 400 gemmes? Ouais, 400 gemmes, c'est pas avoir le roi. Mais c'est mieux de prendre ça, non? Bah ça coûte 60 balles, mais comme tu veux, hein. Alors moi je vois 119 euros. Ah mais tu veux prendre voilà, la deuxième. Il est max hein, ton T7 après ça. Ouais, t'inquiète pas, ton T7 est bien. T'inquiète pas, mec. Mais les gars, ça sert à rien d'upgrade mon réservoir oui, il faut que tu y ailles, parce que là t'as pas assez de réserve. Fait que tu pourras pas avoir 5000. Tu peux juste avoir 2500 dans le réservoir. Il faut que tu finisses quand même. Le réservoir, je sais pas où. Il est où le réservoir? Je crois qu'il est au milieu à côté du mortier en haut. Ah ouais, je suis pas sûr. Hein. Il reste une heure. Ah non. Je crois que c'est toi qui reste 4 heures. Le truc qui reste 4h54 à 1h. C'est bon, merci. Tu seras max jusqu'à T9 avec celle à 120. Ouais, mais là mes mains sont méga liées là, c'est le problème, les gars. Mec, Kamel, il a mis 700 euros. Il a mis 700 euros, Kamel. C'est rien, 700 euros. C'est bon. Ah oui, vas-y, cac. Do it. Ah, vas-y, ça faudra que tu finisses, ça va savoir. Il reste 6 heures, faudra que tu finisses. Le truc à côté du labo, qui reste 6 heures. Tu ouais. Vois, à côté du laboratoire, il reste 6 heures. C'est ça là? Ben ça, faut que tu finisses. Ouais. En fait, ce qui me dérange, c'est que ça me donne pas de gemmes, les gars. Ouais, c'est ça. Là, va dans le magasin, tu peux acheter un roi. T'as assez de réservoir, tu peux acheter un roi. J'ai assez pour acheter le roi? Avec des gemmes. Comment ça, avec des gemmes? Va voir le premier onglet. Va pour mettre un roi. Fais comme si t'avais assez. Va pour mettre un roi, puis il va te dire combien de gemmes ça te prend. Ça te prend, je crois, 300, ça va. Mais là, je peux valider, frérot. Ouais, tu peux valider. Clique sur valider. T'es sûr? Oui. Puis il va y avoir un autre menu, t'inquiète. Puis là, ça coûte 336 gemmes. Et là, je me fais scam, non? Bah, c'est pas mieux d'acheter sinon, c'est pas mieux d'acheter comme ça, là? C'est exactement... Regarde, 10%. C'est la même chose? Bah oui, c'est la même chose, quoi. Remplir mon réservoir de moitié, 400.
6002. Ouais, non, mais ça sert à... Parce que tu pourras pas améliorer quand même. Fait que même si t'en as plus, ça sert à rien. Fait que c'est mieux à 336. C'est mieux de le faire à 336. Parce que ce qui va te rester, ça te servira à rien. Ok. Sauf si t'achèterais faire 60 balles, pis là tu peux maxer. Ça me servira à rien? Non, si tu restes 1000, tu peux rien faire avec 1000. Voilà. Ok, je l'ai le gars. Mec, tu peux passer à GV8. Non, je peux pas. Il manque 1 million. Oui, il manque. Ouais, mais t'as tous tes bossements. Mais comment je fais pour avoir du gold maintenant? Il faut que j'améliore. Faut améliorer ça. Mes réservoirs d'or? Ouais. Non, c'est trop. Tout mon jus. Et je peux pas remplir, genre y'a pas une potion de remplissage là pour mes stockeurs de jus? Non, ça tu sais pas. Mais il doit avoir une offre. Y'a pas des potions les gars que là je peux activer? Donnez-moi des options là. Il me faut des options là. Non, rien. Faut se payer. Regarde des offres. Soit payer ou soit farm attaquer des gens. Ouais, mais là pour attaquer ça va prendre tout à l'heure. Bah ouais, ça va prendre trop de temps. Tes mains sont liées, je suis désolé. Regarde les tu offres, dois payer. Il y en a peut-être des pochards qui sont. Paye. Attends, je tout regarde. Le chat est en train de t'hypnotiser et au compte. Ok, attends, et si je prends cette offre là, 7,99€, c'est ouais, bien ouais, ou pas? Ça, c'est bien, ouais. Paye. Avec ça, t'es bien. Je suis bien comment? Mais sinon, ça serait mieux d'attendre. C'est quoi une potion d'entraînement? Dis-moi, c'est quoi une potion d'entraînement? C'est pour attaquer plus vite. C'est pour pouvoir attaquer, enchaîner les attaques. C'est une potion d'entraînement, si tu veux acheter, ça te coûte 25 gemmes. C'est rien. Ah ouais? Ouais. Putain, mais vrai, si cette offre elle donnait des gemmes, les gars, je l'aurais acheté illico presto. Mec, la valeur, c'est je suis bien pour 10 minutes. Ouais, mais c'est ça, hein, 10 minutes c'est bien, les gars. Parce que quand tu vas passer, ça c'est l'offre HDV7. Quand tu vas passer HDV8, tu vas avoir une autre offre. Je sais. Mes mains sont liées. Y'a mec, tu peux déjà monter à GV8, y'a t'as même pas besoin d'aller. Mes mains sont liées. Ok, quel est mon objectif les gars? Meilleur à GV8. T'inquiète, on s'en va écoute. Puis, et là on l'accélère, on l'accélère? Non, mets le livre. Là c'est worse. Ah, je mets le livre? Ouais. Ah, oh, c'est stylé le livre, du coup ça remplace les gemmes. Clash of Clans, la seule OP ouais, il va voir dans le shop. Ah, c'est pas mauvais. Ok, et là tu veux quoi? Tu veux direct que j'aille dans la boutique? Ouais, oh, ouais, parce que avant de rien mettre. Parce que sinon ça va du coup. Puis oh, regarde la dernière offre. Attends, je viens de claquer du pognon et là t'es en train de dire genre direct de reclaquer du pognon, c'est ça? Ouais. Et voilà, là c'est sûr. Je crois que ça va être direct sur son compte en banque, hein, pas Supercell. Ouais, c'est ça, le gars il travaille chez Supercell. C'est ça? Ouais, non, c'est pauvre. C'est vraiment l'offre à GV7. Niveau 5, ouais, mec, hein, c'est pas mauvais. Hein. Ouais. Mais les gars, les offres elles sont tellement moins alléchantes là, les gars. Donnez-moi des putains de gemmes. Ah, mec, ouais. Pourquoi le pain d'épices il est aussi grand là? Ça, c'est un décor. Ok, donc là les gars, je prends l'offre ou pas? Il y a des vaquets forgerons. Je prends l'offre ou pas? Je trouve qu'elle sert un peu à rien l'offre. Ouais, ah ouais, ouais? Mais tout à l'heure je vais manquer de jus, mec, 100%. TDS. Mais je vais manquer de jus, mec. Tu peux attendre, puis il va en avoir plus tantôt. C'est quand tu vas remettre à tour à bord, puis le sorcier, il va avoir encore 14 plus de décembre, jus. C'est mon il y aura plus de trucs. D'avoir 18 en cœur sur ouais, toi. Quand tu vas avoir remettre à tour de sorcier, puis à tour à bombe au niveau 1, ben ça, ils vont augmenter le nombre d'or, puis d'exer. Ah, donc il y aura un autre pack? Ouais. Ouais, on va dire. Oh, attends, il y en a un là? C'est ah lui, merde, c'est le même. C'est le même. Mais pourquoi il est passé de bleu à violet? Attends. Pourquoi il est passé de bleu à violet, mec? Ils m'ont eu pour que je regarde encore. Vas-y, mets tout. Oh, attends, réserve d'or, putain.
Nara, tu peux lui amener une base HDV8? Tu peux me faire une base HDV8 s'il te plaît? Attends, faudrait mettre mon compte aîné. T'es pas aîné? Parce que sinon je pourrais... Bah je suis parti du coup avec mon 15 parce que... Usine de sort noir, c'est bien? Ah je t'avais pas fait... Oh merde, attends. Forgeron, c'est bien ça? Je suis juste membre. Bah t'es obligé de le mettre. C'est bien forgeron les gars? Ouais, le forgeron, bon, c'est compliqué. Le forgeron, c'est depuis hier. C'est avec la mise ouais, à jour. Ouais, c'est tout frais, c'est hier. Ah ouais? Ah, ouais. C'est trop stylé, mec, j'adore. Bon, mec, si tu veux max le forgeron, ton seul moyen, c'est de claquer 36 000 gemmes. T'es sérieux? Sinon, j'attends combien de temps? Ouais. Sinon, t'attends 2 semaines. Non, à ton niveau, t'attends 1 an. T'attends vraiment 1 an. 1 an? À mon niveau, j'attends 1 an, mec. Ouais. Oh, t'as vu ça, là? Il y a un YouTuber, ouais, qui a maxé pour 36 000 gemmes. Ok. Vas-y, je t'invite. T'es connecté sur ton 1, RTTF? Ah oh, oui, je t'invite. Putain. Ah, faut que je fasse une passe. Donc là, mec, là, non, les gars, attends, je vais partir avec l'autre. Pour avoir une nouvelle offre, je fais une tour de sorcier, c'est ça? Allô? De quoi? Ouais, tu mets tout. Pour avoir une nouvelle offre, je fais une tour de sorcier? Ouais. Ouais. Oh, mais. Vous êtes sûr que je vais avoir une nouvelle offre? Attends, je te fais une autre place, je quitte avec mon autre compte. Non, mais oui, c'est bon. C'est bon. Non, mais il y a un mec qui. Ah. Ok. Oh putain! Voilà. Voilà, ça c'est OP. Étant ça c'est bien. Consultant, je vous propose l'offre ouais, à 200 euros et ensuite vous devrez revenir pour prendre l'offre à 100 euros et enfin vous débloquerez l'offre spéciale à 150 euros. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Mais mensonger les gars. Mes mains sont liées. Ok, là on a du jus les gars. Là on a du jus. Là on peut bombarder là. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vos mains sont liées. Okay. Ouais, allô. Il me faut une base à HDV8. Ouais, ouais, ah, mais faut que tu poses bon. Les dernières défenses. Faut que tu poses ouais, les nouvelles. Tout, puis après ok. Le problème, là, faut pas qu'il améliore ses ressources, ça sert à rien. Là, faut qu'il fasse que les défenses. Pourquoi? Parce que là, les ressources, c'est pour farm. Là, t'en as pas besoin. Faut juste que t'améliores pour défendre ton village. Et après, faut que t'améliores aussi tes casernes pour que tu puisses attaquer. Pourquoi? Parce que t'es en train de dire en fait que je joue au jeu de manière payante, c'est ça? Bah oui. Non, mais il faut juste monter. Et inutile surtout, parce que là, tu dépenses de l'argent juste pour les ressources, alors que t'en as même pas besoin. T'as même pas de troupes au niveau. Non mais il voit les up, c'est ça qu'il fait là. Là il monte à HDV8, puis là il okay, va... Ok, mec, il y a un truc, il a raison. Viens en full focus sur mon attaque. Bah ah, oui, voilà, pour focus sur l'attaque, t'améliores tes casernes, tes camps militaires et ton unité. J'améliore qui là? J'améliore mes sorciers? Va dans ton laboratoire. Heroes, regarde mon live sur Discord et dis-moi ce que je fais ah, oui, exactement s'il te plaît. Déjà, il faudrait améliorer la caserne noire. Là, t'améliores les casernes. Caserne normale et caserne noire. Ça part. Ouais. Caserne normale, ça part. Il y a écrit un jour, les gars. On fait comment, là? Ouais, j'essaie caserne noire. Améliore la caserne noire. Ouais, caserne noire aussi. Et améliore le laboratoire. T'as quoi d'autre comme amélioration? Caserne noire, améliorer, ouais. Ça part. Ouais, voilà. Laboratoire, okay. Pour l'instant, on s'en fout parce qu'il a le boost. Et après, usine de sort aussi. Non, il faut qu'il up le bâtiment Diabo, justement. Pour ok, du coup, est-ce que je fais usine de sort noir? Attends, ouais. Oui, faudra les deux. T'as quoi en amélioration? C'est quoi le truc qui est dans 3h04min? Parle-moi en français, frérot. C'est la foreuse. La foreuse, faut l'enlever, elle sert à rien. Comment tu veux que je l'enlève? T'es à côté de l'usine à sort. À 1h30, fais un horloge avec ta base, va voir le bâtiment à 1h30, il y a un truc qui reste 3h. Voilà, c'est foireuse. Ok, vas-y, je l'enlève.
La coureuse, faut l'enlever, ça sert à rien. Ça y est. C'est quoi, toi, accélérer, les gars? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Ah non, ça accélère mon sort. Usine du sort, usine de sort, j'en ai deux. Usine de sort, faut l'améliorer. T'auras besoin du sort de rush, du sort de sang, du sort de saut. Toi, t'es arrivé sur Discord pour me faire payer, c'est ça? Toi, t'es un autre infiltré de chez Supercell qui vient dire frérot, là, il faut payer. Mais non, c'est eux, ils te font payer. Ils font améliorer les extracteurs d'élixir alors que ça sert à rien. Ils ont raison. Hein, t'as raison. Jamais améliorer les extracteurs d'élixir, par contre. Ça, c'est jamais, personne n'a dit d'améliorer ça. Hein. Parce qu'ils sont améliorés, mais ils servent mais à rien. Mes mains sont liées, caserne, c'est amélioré. Je peux faire des dragons. Je peux faire des fées, frérot. Amnor et château de Quin. Amnor et château de Quin. Château de Clan, je suis d'accord, améliore. Ah hein ? Améliore le château de Clan. Les gars, vous voulez... Là, ça comme ça ? Ouais, puis ça, lui, faut que tu améliores pas mal de fois. Faut que tu améliores encore. Ah ouais. Allez, je vais tomber une pomme, les gars. J'ai plus de gemmes, là. C'est compliqué, là. Mes mains sont liées ou pas ? Ok. Non. Oh, j'ai l'impression qu'elles sont liées, là. Faut améliorer l'attaque. Ok, est-ce que je forme des trucs ? Je forme des trucs ou pas ? Ouais. Fait que, supprime tout ce que t'as. Tout ce que t'as de formé. Là, faut continuer à améliorer tes casernes jusqu'à qu'elles soient au niveau max. Tout ce que j'ai de formé. Pardon ? Les casernes, faut les améliorer. Là, t'es HDV 8, tu peux encore améliorer ta caserne noire et ta caserne normale. Une fois que t'auras les casernes max, c'est quand je pourrais partager des compos ? Là, la caserne normale, elle est bonne, c'est bon. Et là, faut améliorer la caserne noire. Ok. Parce que golem, c'est important avec les cochons. Là maintenant faut améliorer les camps militaires. Si tu fais là, Gog. Vous connaissez pas golem cochon? C'est Gohom. Bon je t'ai déjà le cochon puis tout le monde. Non cochon, HDV 8 c'est nul. Tout seul. Faut faire une première partie après une deuxième partie. Mec, un HDV 8. Qui avait PKOG? Un PKOG puis c'est Gohom. Voilà, faut améliorer camps militaires. Camp militaire, caserne, usine de sort. Ok. Je travaille là-bas, j'ai compris. Continue. Mec, il reste un niveau encore. Il reste un niveau encore. Non, mais là je peux pas, là. Non, c'est niveau 6 le max. Ah, bah, c'est cher. Là, c'est bon. Et... Allez, ouais, il y a 3 autres, ça fait pareil. Usine de sort, maintenant. Mon jus. Hop là, usine de sort, faut la monter, il faut plein de sorts, faut le sort de rush, faut le sort de soin. Il se fout de ma gueule, ce gars. Allez, mes mains sont liées, elles sont liées. Allez, mes mains sont... Elles sont liées comment mes mains là, les gars? Elles sont liées à 50%, 63%, elles sont liées comment là? Bah là, ça va mieux vu que t'améliores des bons trucs, mais... Elles sont liées comment là? Doc, ouais, ce pack-là, Kameto, il a acheté 5 fois. Ok, et ses mains elles étaient liées ou pas? Non, lui c'était pour le fun. Ah, ses mains étaient pas liées? Non, lui elles étaient pas liées, ses mains. Ok, attends, je regarde si les miennes sont liées. Oh là là. Attends, ça fait une semaine qu'elles sont liées. Ah ouais? Ça fait une semaine qu'elles sont liées? Ah bah ouais. Je crois, hein. Ok, attends. Ok, donc là j'ai l'impression que mes liens sont un peu déliés là. En militaire. Voilà. Usine de sort. Ouais, usine de sort aussi. Mes mains sont un peu déliées. J'ai bientôt plus de jus. L'autre, pas la première. Ouais, l'autre. Pas celle noire. Ouais, celle-là, on s'en fout. Ouais, celle-là, elle est importante. Pour le sort de rage. Encore. Non, pas elle. Ouais, elle. Je peux plus là, je suis max. Ok, tu peux plus. Parfait. Vas-y, Naraka, donne. Bon, là, c'est un bon début. Le forgeron, ça sert ou pas? Le laboratoire, faut que tu l'améliores aussi. Pour le niveau des troupes. Non, mais lui, il est arrivé en mode vas-y, je suis le boss de chez Supercell, maintenant claque tout ton pognon, connard. C'est comme ça que ça marche. Non, mais il est arrivé comme mais ça. Mais non, c'est que. Ah, c'est non, que vraiment, faut être genre, productif là. Faut être productif. Bah, ouais, c'est pas productif là? Bah voilà, là c'est productif, c'est niveau max. Et maintenant, va sur le laboratoire, tu cliques et tu peux améliorer tes troupes. Ah, est-ce que tes mains sont liées là? Démon, il est dans les vocales. Switchez démon s'il vous plaît. Va je vais tourner le laboratoire s'il te plaît. Ouais. Et là tu vas dans rechercher, à côté. Et là tu tournes, il y a les cochons, faut que tu les améliores. Oh putain, je peux déjà... Hop là, ça cochon. Ça là?
Frou, j'ai... Comment ça? C'est lui là? Ouais, les cochons. Oui, oui, oui. C'est 4000 encre noire. Oui, oui, il faut l'améliorer. C'est hyper important. Là, tu les améliores max. Genre, quand tu dis max, ça veut dire que je clique. Jusqu'à que tu puisses plus. Voilà. Voilà, maintenant tu vas dans tes... Tu tournes un peu, tu vas dans les sorts. Faut que t'améliores. Sort de soin, sort de rage. Non, rechercher. Bon labo, voilà. Sort de soin, sort de rage. Ça, tu les améliores les deux au max. Il y a pas besoin de rage à quelque part. Juste soin, ouais. Ouais, mais rage, c'est quand même important pour le reste des troupes. Hop là, et après t'as meilleur sort de rage. C'est lui ? Oui. Naraka, il y a compo que t'as... J'ai plus de jus, j'ai plus de jus. On a tenu combien de temps, les gars ? J'ai plus de jus. Tu peux pas faire des attaques en ligne, ça sera plus utile pour... Sachant que là, elles coûtent pas cher, tes améliorations. À la place de payer. Ouais, mais déjà, parle français, s'il te plaît, parle français, c'est bon. Donc il a pas besoin de les max rapidement. 500 000 gratuits, les gars. Il y a pas joué, hein. Ah oui, ça c'est gratuit, mec. Mais le boss de HDV, il dure combien de temps, HDV 8? Pourquoi tu m'as pas dit ça tout à l'heure? Je sais pas, peut-être plus de 3 j'avais jours. J'avais du jeu gratuit. Ok. Ouais, t'avais du jeu gratuit. Il y en a que 500 000, ça va. Pour ça que 500 000, mec. Je me bats ici pour avoir du jus. Mec, dis-toi, mec, t'en avais 15 millions, là il t'en reste 700 000. Bon. Ok, ok, quel est mon objectif? Bon, vas-y, alors... maintenant, va voir dans le chat du camp. Regarde le chat du camp. Je vais remettre. Ouais, je me remets. Dans le chat du clang? Ok. Puis là, mec, copier la compo. Descends. Copier. Ouais, elle est bonne. Mais du coup, faut que t'améliores ton golem aussi. Celle de Vidar? Ouais, c'est moi. Moi, j'aimerais rejouer au jeu, puis il y a le boss d'AGV. Qui celle-là? Oui, ouais, celle-là. Parfait, okay. Puis et là, fait former. T'as armé. Ouais, non, il peut pas, fais non. Doute qu'il enlève, je pense. Non, fais non. Comment je fais? Maintenant, armé. Il y a premier en gros. Armé? Tu kicks sa petite poubelle. Et là, tu supprimes tout. Ouais, modifie armé, fais ça. Ou la poubelle, peu importe. Modifier, puis tu supprimes tout. Tu cliques sur... Ouais, c'est parfait, fais ça. Les sorts, tu fais pareil. Les potions, tu fais pareil. Ouais, tu recliques parce que t'avais des troupes en attente. Ils sont... Ils clignotent, je supprime. Oui, supprime tout, là. Là, je suis en train de tuer mes gars, là. Attends, je suis en train de tuer mes gars, là. Oui, on s'en fout, ils coûtent rien. Ok, ensuite, supprime tout, là, tout. Les sorts, supprime. Ok, château de Coulon, tu supprimes. Mais attends, tu fous de ma gueule là. Non, supprime tout. C'est la merde, on va te donner. C'est nul. Va dans formation rapide. Ouais, formation et forme rapide. La compo qui t'a mis. Voilà. Formé. Forme deux fois. Parfait, bravo. Et là, je serais prêt à attaquer dans combien de temps? Faut que tu demandes un château de clan. Faut que tu demandes un château de clan et tu. Cochon. Attends, clique sur la petite, je peux m'attaquer pour expliquer, aussi. Et mets plein de cochons. Les gars, vous pouvez pas faire une base de merde et je vous attaque, genre? Ah, non, oui, nos hôtels de ville, ils sont trop. Mais tu veux pas, genre, me donner ton jus? Genre, tu mets tout ton jus sur un côté, toutes tes défenses de l'autre côté, et moi j'arrive et je suis sur ton jus. C'est pas possible, c'est aléatoire le matchmaking. Non, c'est ouais, c'est random. Putain. Là, sur les cochons. Le château de clan, t'appuies sur les cochons. Cochon, et clique sur autoriser uniquement les dons au niveau maximum. Voilà. Et fais confirmer. Il manque un niveau sur tout cas. Il peut améliorer son château. Hein. Ouais, Annuler ? Ouais, faut que tu raméliores ton château de clan. Ouais, améliore-le. J'ai plus de jus, les gars. Ouais, plus de jus. Alors. Bah maintenant, faut. Y'a plus d'offres, y'a plus. Mes mains sont méga liées, j'ai l'impression là. Est-ce que mes mains sont à ce point-là liées, les gars, ou pas? Bah, en vrai, non. Non, hein. Ah non, mais... Non. J'ai l'impression qu'elles sont liées, mec. J'ai l'impression qu'elles sont liées. J'ai l'impression qu'elles sont liées, les gars. Attends, je vais mettre mes gouttes, les gars, parce que là, quand elles sont liées à ce point-là, les gars, j'ai mal. Vos mains sont liées, par ici, la CB. Oh là là. Faites pas comme moi, les gars. Faites pas comme moi, s'il vous plaît, chat. Ne faites pas comme moi.
Je peux me le permettre. Je suis en opération commerciale. Je peux me le permettre. Ne faites pas comme moi, s'il vous plaît, les gars. Vos mains ne sont pas liées. Les miennes, oui. Réalisé par des professionnels. Non, les miennes sont liées, les gars. Je vous dis la vérité. Si je performe pas vendredi, si j'ai pas un truc pour performer vendredi, les gars, mes mains sont littéralement liées. Je vous le dis, les gars. Est-ce que tu peux prendre le compte de quelqu'un d'autre? Parce qu'au pire, on me prête un compte et. Mais c'est interdit par la société. Non, qu'est-ce que t'entends dire? Mes mains sont liées, là, t'entends pas là? Elles sont liées. Mec, il y en a pas, il dit pas ça, t'es fou toi. Mes mains sont liées, tu entends? Ouais, non, ok. Mains, parfait. Non, c'est complètement illégal, dis pas ça, mec. Ok, parce que attends, je sais qu'avant on pouvait. Hein. Non, on peut pas, et on va changer de sujet. Non, ça a jamais été autorisé, okay, c'est juste qu'il le disait pas. Non mais les gars, c'est une compétition entre autres. Attends mec, le jeu a restart tellement. Ah ça bug. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça bug. Attends, des troupes que t'as formées. Attends, je me suis bien fait débiter là. Ouais non mais ouais là c'est la merde. Attends, vas dans le magasin. Attends, c'est quoi qui voulait? Ok ça. Ok, c'est bon. Alors là t'es. Améliore château de clan, améliore héros. Alors. Non, mais l'héros est encore pour 12 jours de boost. Ah ouais, ça va. Qui? Voilà, là t'es bien. Ok, château de clan. J'améliore mon héros? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, du coup, demande des troupes. Ok. Là, tu demandes cochon et sort de poison. Voilà. Cochon. Sort de c'est poison, mais faut que tu spammes les. C'est lui? Non, poison, c'est le. Orange. Lui là? Oui, oui. Et spam les cochons, spam. Voilà, et là tu fais autoriser uniquement les niveaux max. Voilà. C'est bon? Oui. Oui, envoyé. Putain de merde. Là, va dans ton. Dans une de tes casernes. Va dans une caserne, ok, formé. Et là, j'aime le terminer le temps de formation. Et tu fais pareil pour les sorts en haut. Ok, c'est bon. Le mec, là, non, mais il travaille chez Supercell. Les gars, il travaille chez Supercell. Non, vraiment. Alors là, tu vois là, ici, là, claque 100 balles. Du coup, là, ton armée, elle est finie. Là, faut que t'essaies d'attaquer maintenant. Ok. Mais en multijoueur. Ok. Ah oui, mais tout le monde est d'accord. Il met un défi. Ouais, non, il met un défi, c'est mieux. Parce qu'il y a un multijoueur, ça va être de la merde. Bah ouais, mais il a mec, mes entraînements, ils me font du sucre. Il faut qu'il améliore ses trophées. Comme ça, il aura pas besoin de payer à chaque fois qu'il veut lancer une amélioration. Regarde le chat, il t'a mis un exemple de ce qu'il faut que tu fasses. Regarde le chat, il y a un replay, regarde. Ça, ok. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Non mais frérot, là tu me mets la pression. Là, il fait quoi là? Exactement. Explique-moi. Vas-y, explique-leur, tété. Il commence par une première partie où il met des sapeurs avec un golem. En gros, le golem, il le lance en premier et il met les sapeurs derrière pour que le golem ait l'aggro des canons et que les sapeurs derrière prennent pas de dégâts. Les sapeurs, ils vont détruire le mur. Après, il met sorcier pour déblayer sur les côtés. Ok, genre là où il y a ma souris, là, tu vois ma souris? Ouais, en gros, ouais, il met des sorciers sur les c'est côtés. Du funnel. Peu importe, ouais, peu importe le côté, t'en bats les couilles? Non, faut essayer de faire une bonne première partie, parce que là c'est une première partie, c'est en deux parties l'attaque. Et la première partie c'est golem et sorcier. Et du coup là, il met son château de clan. Là, tout le premier carré il va se détruire, il va essayer de choper les deux tours de sorcier. On va voir s'il va y arriver, tu peux continuer à lancer l'attaque. Ok, attends, donc là il a mis son roi après, ok? Ouais. Et les sorciers sur les côtés. Oui. Et c'est quoi les mecs là, tout bleu, le gros? Là c'est des bullies, parce que lui il privilégie la première partie au cochon. C'est à dire que des bullies c'est une troupe qui lance des boules. Mais moi j'en ai ou pas devant. Non, pas dans ton chat. Bon bah, ok, je m'en bats les couilles. Tu peux en avoir. Donc moi là, techniquement je ferais quoi là comme lui là? Là je commence, je mets tout pareil, un golem de sapeur. En gros tu mets golem. Non, dis-moi partie. Exactement, un golem. Un golem? Oui, ouais. Un golem. Deux sapeurs. Après, tu mets environ 6 sorciers derrière pour déblayer. 6 sorciers, là, ici, là? Et ton roi. Oh, oui, ouais. Sur le côté ici. Et derrière. Attends. Ensuite, là, ici aussi ou pas? Attends. Oh, oui, sur les côtés. Donc,
Ah, 3 sorciers ici, 3 sorciers ici. Ouais, et t'en mets au milieu. Et donc, 2 sorciers au milieu, 3 sorciers au milieu. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Donc 9 sorciers. Là, tu mets ton roi. Ensuite, et tu mets ton roi. Sort de rage, et mon roi. Et là, tu peux faire pied sur le replay. Tu peux avancer le replay. Ouais, tu peux avancer le replay. Mais les gars, le mieux, ça serait de faire commencer par des compos spam, non, que des compos un peu au skill. Mec, c'est ça, Yabian. Il aurait juste joué fouille cochon sans P1. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Ok, ok, mais les gars, comment tu choisis. Ok, ok, les gars, non, non, vous allez voir, j'apprends très vite, j'apprends très très vite. Juste, comment tu choisis ton angle d'attaque? Pourquoi il a choisi ici et pas là ou là ou là, tu vois? Selon les défenses que tu vas attaquer, en fait, si tu veux si tu veux, dans ta première partie, tuer les tours de sorcier, tu t'attaques d'un côté où il y a les tours de sorcier. Mais là, c'est pas le meilleur côté. Il aurait pu attaquer par 4 rangs quand même. Ouais, là, il aurait pu attaquer de 4 côtés différents. Juste là, il a préféré parce qu'il préférait ce côté. Mais en fait, tu fais par rapport aux défenses que tu veux détruire dans ta première partie. Par exemple, là, si tu veux. Il y a roi. Non, mais je devais 8, toi, tu roi, château de clan et tour à bombe. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Si, si je fais une attaque, je récupère mes troupes. Non, non, oui, non, non, oui. En défi, oui. Ah, donc vaut mieux que je fasse un défi alors. Oui, ouais, en gros, le mieux c'est que tu aies un après... défi, tu mets un défi et tu t'entraînes dessus. Mais défi, c'est pas d'or et d'élixir, quoi. Ouais. Ok. Et après ça, devant ton attaque en GDC. Après, sinon, il faut. Donc là, il met un élixir de rage. Sort de rage. Y'a pas de sorcier en TH8. Ah oui, non, oui. Y'a pas de sorcier en TH8. Non, mais le mieux c'est de spam alors. Ah, les gars, ouais, il faut que je gagne mes combats. Ok. Là, il a mis sort de rush. C'est une compo qui est forte. Compo qui est forte, mais faut apprendre à la jouer, tu vois. Faut de la maîtrise. Attends, mais d'où tu connais, Master? Y'a des compos qui sont un peu plus simples et un peu plus spam, tu vois. Où tu poses toutes tes troupes, tu poses tes sorts de rage et t'attends, quoi. Ok. Parce que là, tu vois, c'est une compo où en fait tu dois tout le temps jouer, tu vois. Après, si tu préfères, mais c'est à dire, tu vois, il y a une première partie d'attaque où tu vas devoir jouer, tu vas devoir regarder comment ça se passe. Puis pendant que ta première partie se passe, tu vas devoir envoyer. Les gars, une deuxième pourquoi partie. M'avait pas fait jouer Dragon? C'est nul. Tu peux jouer Dragon for 2 zap, tu vois. Mais il y a des compos comme. On peut lui faire jouer du Go Weave Up, les gars. Attends, là, il fait quoi là depuis tout à l'heure? Il a rien fait? Si, si, mais. Là tu mets trop sur pause, mais en gros là. Non mais raconte-moi ce qu'il fait, putain. Il a mis sort de rage pour que du coup son golem et ses sorciers. Ok, et après il m'a mis un poison, meilleur. Il a mis un poison après, quand il les. Il a mis un poison parce que son château de clan, ses troupes de son château de clan sont sorties. Du coup il met un poison pour les empoisonner, elles sont ralenties, elles tapent moins vite et prennent des dégâts. Ensuite, ok. Ensuite, du coup là on en est au point où t'en es sur la vidéo. Là il va lancer ses cochons. Elle a toujours pas lancé ses cochons. Dans pas longtemps, regarde. Mais frérot, mec, c'est pas possible. Lance l'attaque. Mais au pire, les gars, vas-y, on lui donne du fou de drag et des portes de zap, puis un peu entier. Moi, il me faut un truc de débile. J'ai pas le temps, les gars. Dans deux jours, il y a une compétition, putain. Mais vas-y, mais au début, je pense que le mieux, il spam les dragons. Il est à 100 trophées. Il va monter tranquillement. Il va attacher. J'avais 3 et 4. Il monte en dragon et après, on lui met. Et là. Et là il lance ses cochons. Là il lance ses cochons à 3 endroits différents. Comment il fait là pour envoyer 2 cochons au même endroit là? Vu qu'il est sur téléphone ou sur tablette, on est il peut mettre plusieurs doigts. Ah ouais? Il peut mettre plusieurs doigts du coup. Ah tu peux mettre plusieurs doigts? Oui, pour lancer à différents endroits. C'est comme RTTF à faire 8 doigts. Tu vois, j'ai pas fait 8 doigts comme RTTF. Ah c'est trop fort d'utiliser plusieurs doigts. Et du coup là il a utilisé 3 doigts, il en a fait 2 en haut et un en bas pour détruire la tour d'archer. Ah ouais. Tour de sorcier, le canon. Et là il a juste à mais mettre les cochons, un c'est fort contre tout chaque... Les cochons on a ah ouais il a mis un sort de soin dans chaque truc. Ouais, un sort de soin dans chaque. Et du coup bah là il avait même pas besoin du deuxième sort de soin. Mais ça fait trop mal les cochons, mec. Oui c'est fort mais c'est un peu dur à jouer au début. Ouais parce que faut faire gaffe aux défenses en fait. Tu connais cette défense. Non mais moi mec j'ai peur des pièges les gars, c'est grave les pièges ou pas? Non les pièges c'est immense. Y'a que les bombes géantes mais Mec les trois bombes, les bombes géantes. Oui les bombes géantes mais sinon on s'en fout. Faut qu'attaque un HV8, un HV5. Bon les gars, je suis milliardaire. Qu'est-ce que je fais là? Attaque en GDC mec. Là, attaque en guerre de clan. Attaque en guerre de clan, il a raison. Kick sur les deux AP. Oui. Ok. Tout en bas, c'est le dernier. T'es obligé de faire 100%. Au pire, tu nous écoutes et on te dit comment faire. Ouais. Ok, lui là. Oui. Il va m'exploser, frérot. On dit rien, il détruit. Ok, dis-moi ce que je fais là.
gros, attention juste au château de Clanlock. En gros, le reste. Gros, là, attends. Dites-moi rien. Je vais vous dire un peu ce que je pense, ok? Et vous me dites si je suis con. Vas-y. Ok, mec, c'est bien. Attends, je réfléchis. Ça, c'est de la strat. Ok. Non. Je mets un golem ici. Ouais. Deux ou trois sapeurs. Ouais. Ensuite, je mets tous les sorciers là. Clac. Ouais. Et après je mets mon roi aussi. Ouais. Après, je mets une potion de rage là. Ouais. Oui. C'est bien. En vrai, t'attaques avec les pieds, tu le perds, Flop, donc tu veux. Il y a pas cette défense. Là, c'est bon, là, j'attaque. J'attaque. Ouais, attaque. Oublie pas le sort de poison sur les trous du château de clan. Non, j'ai trop peur là, les gars, j'ai trop peur, je vais me faire éclater la cul. Ok, je fais ce que j'ai dit. Oui, fais ce que t'as dit. Normalement, ça fait 100%. On admire. Mais mets bien le sort de poison sur château de clan s'il y en a un. Ouais. C'est ça qui fait mal. Sort de poison direct. Orange, le deuxième. Voilà. Et vas-y, tu peux envoyer le reste. Parce que j'ai foutu. Voilà. Là, tu peux mettre le sort de rage. Attends, non. Il aurait pu. Oui, mais là, il aurait pu faire une belle attaque. Avec les pieds, ça perce, les gars. Avec les pieds, ça perce. Mais là, il aurait pu faire une belle attaque pour s'entraîner. Ouais, mais tu t'entraînes pas sur un HDV5 prévu. Bah, en vrai, il s'est trompé, il a mis un sort de soin à la place d'un sort de. Mais. Locke, le but c'est que tu fasses le plus de perf, on est d'accord. Attends, je vais lui montrer un zap drag. Bah, ouais, il fait du zap drag et ça va vite. Y'a pas besoin de château de clan et il a 100 trophées. J'ai gagné, les gars! Mais zap drag, c'est aléatoire. T'es pas, il a mis un gros sur la base juste pour me faire chier, ce gars-là. TH8, ça perd tout. Ça perd tout en TH8. Ouais. Faut juste que Locke apprenne à compter à 3, quoi. Tu sais compter jusque 3, Locke, ou pas? Non. Non, c'est 4. C'est 3. J'ai gagné, c'est bon, les gars? Non, c'est 4. Ah ouais, c'est 4 zap? Ouais. GG, mec. Je peux rentrer à la base, c'est bon, je suis safe? Ouais, t'es safe. Ok, je fais quoi, là? Je passe l'HDV? Ouais, pense à HDV, en vrai, t'as trop de ressources. Pense à HDV 12. Non, attends, les gars, faut quand même qu'il améliore son offensif, non? Genre le labo il l'a fait. Non, ouais. J'ai tout maxé les gars. Roi aussi. Mais mec, est-ce que plus j'augmente, plus je vais affronter des mecs chauds ou pas? Non, en gros c'est en fonction de ton nombre de trophées. Ah ouais, c'est juste un matchmaking qui va être fait sur ton HDV à toi. Genre t'es HDV 8 là, ouais, t'as tellement peu de trophées que tu vas taper que des noobs. Mais en réalité, en fait, au plus tu up ton TH. Ah mais mec, c'est ça qu'il me faut. Au moins t'as de chance de tomber sur des prémas, enfin des petits HDV quoi. Attends. Donc plus j'up mon HDV, plus j'ai de chances de tomber sur des mecs chauds. Non. Alors mais en non, théorie, ouais. Si, en théorie. Ok, oui, donc il faut pas que je passe. De lead, en fait. Donc j'ai tout acheté pour rien. Non, ça. Non, parce qu'en fait, t'auras plus d'offensif. Je fais quoi là, les gars? Je fais quoi? Quelqu'un peut me faire une carte d'ailleurs. Montage V9. Cac tout. Non, toi tu travailles chez Supercell, c'est bon, j'ai. Mais. En vrai de vrai, si le seul but c'est d'améliorer ton offensif, hein. Donc vu que si t'as fait ton labo et tout. Et mes défenses, j'améliore pas. Tu améliores ton laboratoire, etc. Mes défenses. Défense, on s'en fout. Mais non, ton but c'est de gagner des combats. On s'en fout. Si ton but c'est de gagner des combats, on s'en fout des défenses. Ok, donc là j'ai dépensé 120 balles pour rien. T'as dépensé 120 balles pour améliorer ton offensif. C'est quoi la marche du chef? Ça t'explique le but du jeu en gros. Ça t'explique ce que tu débloques dans les HDZ, ce que tu dois faire, etc. C'est pas là, mal pour ceux qui connaissent pas trop le jeu qui commence. C'est pas mal. Qu'est-ce que je fais là, les gars? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois reformer mes troupes? Non, il faut avant d'attaquer. Ouais, mais après faut que tu montes en trophée aussi. Putain, mais décidez-vous, bordel de merde, décidez-vous. Il faut que je reforme ou pas? Oui, forme full dragon. À chaque fois que t'attaques, forme. Ouais. Non, c'est bon. Mais les gars, full dragon, voilà, je crois, c'est bon. Là, maintenant, faut que tu gemmes. J'aime de full dragon. Ça veut dire quoi, full drag? C'est ce que je fais là? En gros, attends, vas-y. En gros, on part sur full drag, vous êtes d'accord? Va dans regarde sur les formations. Va dans le chat de clan. Attaquer. Ouais, mais attends, d'abord, avant de full drag, tu l'as partagé la compo ou pas? Bah, j'ai fait une attaque et je vais partager la compo.
Partage-lui la compo. Déjà, supprime toutes tes troupes. Ah non, et ensuite, tu devras mettre un boost. Parce que sinon, tes troupes mettent trop de temps à former. Prends le truc à une gemme. Ouais. Qu'est-ce que je fais, les gars? Parlez français, putain! Appuie, casernes. Va dans armée. Donc, attends, là, on est d'accord, j'ai amélioré les cochons pour rien? Non. Si, je les ai améliorés niveau max. Ça sert à rien, toujours. En gros, et là les dragons ils vont me prendre de mon jus. Tellement rapidement les HDV que quand tu passes un HDV t'as le. Ils m'ont saoulé, j'en ai marre. Là mes dragons là, ils sont améliorés 0, donc là on est d'accord qu'il faut que j'améliore ça ou pas. Écoute, en gros, quand tu passes un hôtel de ville sur Clash of Clans, t'as toutes les troupes au niveau max de ton hôtel de ville pendant un certain nombre de jours. Tu regardes si tu cliques sur ton HDV, il est noté pendant 12 jours. Donc en fait, t'auras toutes les troupes max. Donc si t'attaques actuellement avec tes dragons 1, en réalité, tu les auras au niveau max. C'est compliqué à comprendre, mais t'inquiète pas, tu les auras au niveau max, les dragons. Et d'ici vendredi ? Prends l'information qui est sur le chat. Donc là, la log, va dans ton armée, supprime ta compo, récupère celle que... Faut pas payer, qui t'a filé. Attends, mais il faut que je fasse tous les trucs si je veux... Mais il faut que je le fasse si je veux passer l'HDV, non ? Ouais, il faut qu'il fasse. Oui. Bah non ! Et là, il faut que je fasse tout ça pour passer l'HDV. Oui, tout. Bah oui, du coup. Oui, tu feras tout. Bah toi, tu peux donc. Niveau, hein, mais... Oui, il faut tout laisser niveau, mais il faut tout mettre. Faut tout poser, quoi. Ouais, faut tout poser, quoi. Même les murs ? Oui. Même les murs. Et le mur, c'est un par un en plus. Oui, mais tu peux les spam pour que ça aille tout droit. Ouais, mais c'est quand même. Bon, les gars, y a trop d'arbres là, je peux plus là. Si, toi, si tu les enlever, ça te rapportera des gemmes. Ah bah non, t'as plus d'ouvriers. Les gars, parlez pas pour rien dire, ça m'énerve. Parlez pas pour rien dire, merci. Vous êtes supposé être des PGM. On est trop, là c'est trop cher, on est trop. Bah ouais, mais non, mais il faut que vous décidiez, bordel de merde. Bien, vas-y. Il pense à GB9, il joue fouille sorcière, puis détruit tout le monde. Non, il joue fouille dragon. Ok, attends, les gars. On se décide, qu'est-ce qu'on fait? HDB9, mec, dragon, c'est aléatoire. Mais oui, mais les gars, il a 111 trophées. Les gars, j'ai amélioré mes cochons pour rien. C'est pour ça qu'il faut qu'il joue cochon. En fait, il faut qu'il joue cochon, parce que HDB9, c'est les cochons le meilleur. HDV9 c'est cochon meilleur. Hein, HDV9 c'est le meilleur, mais le plus simple c'est sorcière, tu roules sur tout le monde en sorcière. Bah ouais, il va jouer sorcière. Alors, tu es tout le monde est d'accord avec sorcière ou pas? Bah ouais. Sur le principe oui, mais le truc c'est. Ouais, mais j'ai amélioré mes cochons, qu'est-ce qui est plus compliqué, cochon ou sorcière? Cochon, c'est pas compliqué. Cochon, tu poses tout et t'attends quoi. Pourquoi je pose mes cochons après? Pourquoi tu poses tes cochons après? Je comprends rien, mec. Je comprends pas pourquoi j'envoie pas les cochons direct. Parce qu'il faut que tu fasses une première partie. En fait, les cochons, c'est une troupe qui a pas énormément de vie. Donc, tu dois tout le temps la focus et tu dois bien l'envoyer. Et t'as énormément de choses qui est la counter. Les bombes géantes, les tours à bombes, les tours sorciers, les châteaux de clans si tu les vides pas, etc. Alors que les sorcières, ils veulent te faire jouer ça parce qu'en fait, t'as rien besoin de gérer. Tu fais une ligne de sorcières et t'attends et ça perd. Je te dis, ils travaillent chez Supercell. Je vous le dis, ils travaillent là-bas. Leur seul et unique objectif, c'est de me faire dépenser un max de blé, les gars. Et ils ont réussi, j'en suis à 350 balles là pour le moment. Ok, mec, monte HDV9, monte HDV10, puis attends, là il doit encore. Là, tu dois d'abord mettre tes murs. Continue de monter, continue de poser ce qui te reste là, d'abord. Et tu manques des bâtiments et des murs. Je suis obligé de faire le forgeron. Je pense que le forgeron. Oui, ouais, il servira à rien, on n'aura pas l'améliorer. Alors on pouvait pas monter 16. C'est à quoi le forgeon? C'est plus... Vas-y, c'est trop compliqué. C'est pour avoir d'autres capas sur tes héros, en gros. C'est des équipements pour tes héros. C'est un HDV, c'est sorti là. Ça servira à rien à ton niveau. Allez, chat, préparez-vous. Mais là, vous voulez pas le faire attaquer en attaque multi? Bah, si, il trace un piège, il trace un truc, arrête. Parce que là, il a pas fait une seule attaque en multi.
Ouais, pour ça que c'est pour ça que je veux lui faire jouer dragon, les gars. Parce que ça va vite à former et ça avance. Enfin, le truc des sorcières, c'est que ça c'est assez long en boost. Hein. Mais mais sorcière, en gros, quand il aura besoin de GDC ou je sais pas, vendredi. Ouais, je pense que les sorcières, on lui fait jouer quand c'est des plus gros villages. Quand là, on va être que des petites trucs. C'est quoi l'event vendredi, exactement? Merde. C'est de gagner des. Il doit faire le plus de 3 étoiles. 3 améliorés, les gars, merde. Ouais. C'est pas grave, Locke. Enlève, limite, mets-le sur le côté, ce mur-là. Non. Non. Oh, faites-moi une basse. Monte à je vais attends. J'ai un livre ou pas? J'ai acheté un truc à 150 balles, j'ai des livres. Des pièges. Ouais, mais t'as encore un piège. Là, j'ai partagé une base, je sais pas si t'as tout mis en bâtiment. Et là, je monte à GV, j'ai mes couilles, là. Ouais, tu peux, ouais. Go. Vous êtes sûr? C'est bon? Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais, vas-y. Ouais. Tu vas devoir juste gémer l'amélioration d'un truc, du coup. Continue, tu t'en fous. Voilà. Et là, je fais quoi? Je claque le livre? Livre de bâtiment. Ouais, vas-y. Oui. C'est plus. Ok, je te pose la reine en première. Putain, la pose la reine. Quelle reine? C'est quoi une reine? Attends, d'abord, je regarde. Va dans ton magasin. Les gars, c'est ça la reine? On pose tout, les gars. C'est ça la reine? Non, on pose tout et on fait ça, mais ça faut que tu la payes. Si tu la mets là, ça sert à rien. J'achète ou pas? En vrai, t'as énormément de ressources. T'as beaucoup de ressources et t'as beaucoup de points, ça sert à rien. Ouais, puis les premiers niveaux. Mec, est-ce que j'ai assez de ressources? Parce que là, il est niveau 7. Oui, t'as assez. Oui, mais ça vaut rien. Les premières ressources sont en fait, tu vois, genre. D'accord, mec, je t'explique bien. Si tout à l'heure, je dois repasser à la caisse, mec, je vais vous péter la gueule. Non, c'est bon, viens mec, t'es bien. Non mais je suis bien comment? Je suis bien pendant 30 secondes ou 45 secondes? Non, t'as pas besoin. L'arène niveau 7, ça te coûte rien. Ça te coûte rien en ressources. Donc là, pour tout faire ce qu'on va vouloir, là on est d'accord, je reste HDV9. Non, ils m'ont dit ça, non? Juste bon, il faudrait rester quand même le max. Hein. Les gars, le but c'est que je gagne... Non, je crois que vous avez pas compris. Le but c'est que je gagne des matchmaking. Oui, que tu gagnes des guerres, des batailles. Non, le but vendredi, c'est que je gagne des games que je trouve là. Donc là, on te met une puissance offensive de malade, et tu vas rouler sur tout le monde. Donc je reste HDV 9. Au plus t'es bas en trophée, au plus t'as des noobs. Donc au plus tu seras haut en trophée, où tu devras attaquer des mecs moins forts. Tu comprends? Je suis un noob. Mais justement, regarde, imagine Locke, tu attaques un mec de ton niveau. Si tu commences le jeu, tu vas galérer. Mais si tu attaques un mec et t'es 5 fois plus haut HDV que lui, tu vas te détruire, que tu le saches jouer ou pas. Oui, voilà, je peux tomber sur des mecs qui sont moins d'HDV que moi, mais qui ont autant de trophées. Oui, non, voilà. Non, oui, c'est ça. Oui, rarement. Mais si, le gars, il a 11 trophées, il va pas tomber sur des HDV 4. Oui, il a 11 trophées, oui, mais ça va durer 4-5 matchs. Voilà. Attends, viens regarde tout de suite, en live. Regarde mon compte RTTF. C'est qui ce malade mental? C'est qui ce malade mental? Voilà, tu vas tomber que contre des RTTF. Attaque! C'est quoi ça? Non, fais terminer. C'est un nul. Vas-y, lui, il pète la gueule, lui! Vas-y, pète lui la gueule. Mais il a aucune défense, les gars, je lui pète la gueule! Mais bah oui, il a rien du tout, il est nul. Ah, je me casse, je me pisse dessus, j'ai peur. C'est vite calmé. Bon les gars, qu'est-ce que je fais? Mec, attendez, est-ce que, déjà, réponds à ma question, je reste HDV9, oui ou non? Non, t'as trop de ressources, tu vas monter encore. Dans tous les cas, tu peux pas monter HDV tant que t'as pas posé tous les bâtiments. Donc là, je pose les bâtiments, là. L'arène. Là, tu poses tout ce que tu peux, ouais. Et après, c'est sûr, je pose l'arène, là. Ouais, tu poses tout, vas-y, pose. Les refs, on lui fait jouer Hydrag en HDV 11. J'améliore? Il détruit tout le monde. Non, on s'en fout. Pose tous les bâtiments. Pour l'instant, on s'en fout là. Ok, attendez, j'ai une offre spéciale du coup. Ouh, waouh! Non, t'as pas, t'as déjà cette offre. Ok, réservoir d'élixir. Elles sont plus liées, tes mains. Clac. Elles sont plus liées, c'est bon. Ah, je les ai déliées. Elles sont pas liées. Mine d'or, clé. On pense à ton porte-monnaie quand même. Ah t'inquiète mec, bon, tu crois que je fais cette OP pour pourquoi? Non, on lui a dit par contre il est acheté quoi. Ok, ressources.
Des élixirs de jus, très bien. Et quelqu'un lui prépare un HDV9 pour qu'il copie le plan. Ouais, s'il vous plaît, préparez-moi un HDV9, merci. J'en ai plein, j'ai des bases e-sport. Je veux une base sportive. Bon, après, on a pas besoin de base e-sport. Hein. On a pas besoin. Non, mais ça sert à rien. Je veux une base sportive. Mais non, mais base e-sport, il y aura le TH dehors. Non, là, c'est en bordure ou. Non, ça va. Mais ouais, mais il y aura le TH quasiment dehors, donc ça sert à rien. On s'en fout, c'est attaque. Non, ça va. T'as le village, il ressemble à rien. Continue à percer, mec. Il y a des murs de partout. Continue à percer, mec. RTTF, invite mon compte. Ah oui, merde. Tu vas poser les arcs après le. Ouais. T'as pas besoin d'améliorer les remparts, hein. On s'en fout. Je veux au moins les remparts qui se ressemblent. Merci. Ok. J'ai quand même le droit violet, à un minimum de plaisir, quand même. Bah oui. Non, je peux comprendre que la couleur bois, c'est pas ouf, quoi. Allez, mets tout. Tu crois qu'on fait quoi ici? Vas-y, continue, tout. Tu poses de défense, tu poses. Quelqu'un a une base pour après, moi? T'amélioreras les. Oui. Et après, tu là, t'amélioreras ton laboratoire et tes communautaires et après, t'attaqueras. Vous voulez le faire monter avec combien? Non, c'est fini là. Non. Non, mais non, mec. Ok. En vrai, non, je suis d'accord. C'est fort, hein. Hydrag, t'auras rien à faire. Hydrag, quoi? Non, drag, quand tu dis drag, c'est dragon? Non, c'est Hydrag, c'est électro-dragon. C'est fort. Mais les gars. Sur l'écran, les gars, décidez-vous, mais choisissez, je ne mettrai pas un euro de plus! Doux comme une caresse. Les gars, avant qu'il. De tendresse. Faire monter en DV, faut qu'il monte en comme une parce que sinon ça va être n'importe quoi sur le match. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, mais là faut qu'il attaque. Modernes, grave son nom dans nos là t'améliores juste ton laboratoire. Sous le doux clair obscur des nuits connectées. Améliore ton laboratoire. Électronique, éternelité. Ok. J'ai plein de bases là. Chaque un livre pour la laboratoire ou pas? Non. Non, j'aime, vas-y. Allez, j'aime. C'est plus rentable. Ok, ensuite. Et là maintenant tu formes tes coups. Là maintenant t'attaques. Non, là faut qu'il attaque. Oui, mais là il peut attaquer avec les troupes qu'il a. Là j'attaque avec les troupes que j'ai là. Oui là. Ah ouais, t'attaques. J'attaque quoi? Boost ton armée, Locke. Tu vas dans ton armée et tu fais accélérer. Ça coûte une gemme. Ouais, ça coûte. Ils ont pour ça. Et tu fais ça pour tu fais ça ouais pour ça. Ouais, tu fais ça et tu fais ça pareil dans le sort aussi. Non, le truc à côté, Locke. Ça c'est pour gemmer ton armée. Accélérer. Ça sert à rien, mais ok. Truc accéléré. Tu fais pour former, tu fais pour sort et tu fais pour le roi aussi. Tu mets une petite potion sur ton roi et ta reine aussi. Ça coûte une gemme et comme ça tu peux enchaîner les attaques. Ok, et comment je fais ça? Il ref. Il faut pas qu'il monte en trophée. L'événement, oui, c'est ça. Il faut pas que je monte en trophée, les gars. Vous avez compris ou pas? Voilà. Le but, c'est d'affronter des mecs que je suis sûr de gagner. Voilà. Oui, mais bah, pour l'instant, dans tous les cas. Il y aura des basseries jusqu'à. Ok, bah dites-moi ce que je dois faire. J'améliore quoi là? Montage V6. J'améliore mes casernes ou pas? Ouais, améliore. Ouais, améliore. De toute façon, caserne, usine de sort, t'améliores ça à tous les HTV. Me dis pas, mais. Attends. Le gars qui fait améliore. Et après, il fait oh là là, quand il me voit claquer 600 gemmes. Frérot, t'as pas le droit de faire ça! Genre, mec, t'as pas d'autre faire. Oh là là, vas-y. Oh là là, t'as pas le droit de faire ça. Yoc, pense à GVT. Par contre, Locke, ceux qui sont gemmes, claque les pas, hein, mets un livre de bâtiment. Ouais, ouais. Tout à l'heure, on t'a fait claquer un livre de bâtiment pour prendre ton gemme. Kick sur HDV, puis kick sur objet. HDV, objet. Objet magique. T'en as combien des? Tu veux faire quoi? J'en ai 4. Oh, y'en a beaucoup des 20, y'en a 4 des 20. Il en a 4. Ok, Fakam, pense à GVT. Maintenant tu fais les camps militaires. Là tu veux que je passe à GV? Non, faut d'abord les camps militaires. Camps militaires. Tu fais les camps militaires et les usines de sort aussi. Je te reviens pas. Ouais, voilà, ça a débloqué des emplacements de troupes et des emplacements de sort. Et je claque les gemmes ou pas? Je claque les gemmes pour les camps militaires? Oui. 300 gemmes, ouais, vas-y, claque les gemmes. Ouais, claque les gemmes pour les camps militaires. Là les plus importants camps militaires. Les gars, on a un budget, faut le respecter, je vous le dis. Ouais, on voit. Skin bot sans coup du forgeron, sert à rien. Hashtag, il sert énormément. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant l'usine de sort. Non, l'usine de sort d'abord.
C'est bien, il y a des gens, ils oublient pas. Eh frérot, la, le Québécois là. Arrête. Il est un peu du père. J'améliore l'usine de Sorbois ou pas? Celui qui attaque avec ses 8 doigts là. Oui. Non, pour la CV, pour ça c'est important. Non, mais non. Mais il va jouer Hydra. Il s'en fout. Oui, mais pour jouer drag, il en aura besoin. Pour jouer drag, il a rien besoin. Il a besoin de sorcier. Ok, j'améliore quoi là? C'est bon? Ah oui, vous ne mettez pas speed. C'est bon les gars, je peux t'envoyer une pomme tranquille ou pas? Utilise un livre des bâtiments pour finir l'usine de sort, je pense. Le truc qui coûte 500 gemmes là. Ouais. Hop là. Hop HDV. Et bah, HDV là HDV. Oui. Ouais, hop HDV. Vous êtes sûr que vous voulez me faire passer HDVO hein? Bah oui, 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 oui. Ce sera le dernier des bata, oui, tu as coûté H. Hop là. Voilà. Bon. Maintenant on pose tous les bâtiments. C'est pareil, c'est un bâtiment. J'aurais plus assez. J'ai plus que 10 000 attends, de jus. Les gars, on lui a pas fait j'ai plus que 10 millions de jus, les gars. Son TH. Son CDC. J'ai plus que 10 millions de jus, j'aurais jamais assez, bande d'enculé. Ah, c'est un téléphone. Améliore ton château de clan. T'as up ton château de clan, Locke. Si t'as pas up ton château de clan, améliore ton château de clan. Fais le truc en plein milieu de ton village au cas où. Non, la pierre, c'est pas là pour les bâtiments. Ok, ok, ensuite. Utilise des gemmes. 300 gemmes, améliore le château de clan. Ouais, améliore voilà. Encore. Okay. Non, attention les gars, attention. J'améliore encore, j'ai plus rien. Améliore encore. Oui. Améliore encore. Améliore. J'ai plus de jus. Livre. Attends. Les gars. Non, vous foutez de ma gueule là. On laisse TH10. Non, vous foutez de ma gueule là. On laisse TH10. J'ai plus. Vous me laissez 10? Ouais, j'ai plus que 2 livres. Oh, ouais, on te laisse 10. Les gars, non, juste. Il va nous faire du full. Y'en a un ici qui peut le dire s'il se fout de ma gueule? Non, on se fout pas de ta gueule. Le seul truc, c'est qu'en fait, genre. J'ai plus de jus, j'ai plus de jus. Bah, TH10, il fera du lance-bûche sorcière, ça suffit. Non, mais. Faut que t'améliores. Arrêtez de le faire. Arrêtez, ok. Est-ce qu'on se décide tous, taisez-vous maintenant. On se décide tous sur le build que je fais ou pas maintenant. Allez. Sinon, okay. Il peut faire de l'électro. Avant de faire un build, il faut d'abord que je pose toutes les défenses. Tais-toi! Moi, je suis chaud, HDV10, je peux faire Golem Valkyrie. Non, c'est trop complexe. C'est trop complexe. Mais les gars, non, il fait de l'électro de Nalo. Mais. Vas-y. Ah, il va jouer PKO alors en vrai. Et tu veux pas qu'il fasse du Zassa? Je vais marcher. Okay. Décidez-vous, allez-y, continuez à parler, c'est bien. Vas-y, go avec Minog. Vas-y, on fait du Cucelalo. Non, trop dur avec Cucelalo. Il joue Golem Valkyrie. Et comme ça, c'est non, tout droit. Drag, ça va être mieux. Non, dragon, les gars. En vrai, on fait pas chier, dragon. Fort. Mais les gars, oui, vas-y, on reste sur du dragon. Avec les tours de l'enfer. C'est la mauvaise idée. Ouais, mais on s'en fout. On s'en fout. On voit quoi, mais il va pas taper, les gars, il va pas taper des bases maxées, hein, faut arrêter. Ok, vous êtes tous décidés, les gars? Je vais jouer dragon. J'ai joué quoi? Electro dragon? Ouais, dragon. Non, dragon. Dragon normal? Electro dragon, il me faut des exirs. Ouais, c'est pas partir de la HDV11 déjà. Ah, c'est HDV11 ouais, mais si j'achète ça, c'est mort, non? J'aurais pas assez non plus. Non, c'est pas assez en vrai. 11 millions, c'est pas assez. Ah, je sais pas, frère. Non, c'est pas assez. Du coup, je viens avec un HDV10. Hein. Ouais. Donc, je reste HDV10? Mais là, Locke, en vrai, focus. Du coup, si tu restes HDV10, arrête d'améliorer les défenses. Faut que t'améliores. D'accord, mais tu vas les poser, non? Je les pose ouais, quand même ou pas? Les pose. Ouais, tu les poses, ouais. Mais tu les laisses. Il y a 45 millions. Ouais, obligé de dépenser ça fort quand même. Il meurt, ça va être beau, il va être content. Par contre, c'est pour vendredi qu'il doit être. Ouais, bon, il aura toujours le boost de l'hôtel des villes. Bah, il y a beau, c'est reste. Bah oui, c'est large. Ah, il va être trop large. Ah, mais je sais pas si. Ok, j'ai tout posé, les gars. Quelqu'un un truc? Oui, non, il s'additionne les boosts de l'hôtel des villes. Juste le problème, c'est que. Faudra lui faire une base et.
Ouais, bah j'arrive. Quelqu'un a une base, s'il vous plaît. Mais essaye de, oui, de lui donner un anti 2. Essaye de lui donner un anti 2 vu qu'il a des défenses prima. Ah, c'est bon, il arrive. Mais là, vous voulez pas qu'il améliore sa reine et son. Bah, j'ai une anti 2, mais il y a les réserves exposées du coup. Parce que pour les, pour les défenses. Oui, mais ils sont pas boosts pour les défenses, ils sont boosts que pour les attaques. La défense, c'est juste mais là, il a pas besoin de play héros, les gars. Ah, le clown, il est complet. Pas besoin d'appeler trop. Yo, Yamior, c'est caserne, c'est camp, puis usine de sort. C'est tout. Ouais, ouais. Comme... D'accord. Juste faites en sorte que cette discussion arrive à un endroit où vous êtes tous d'accord, s'il vous plaît. Oui. Camp militaire. Caserne, camp militaire. Sort. Camp militaire, tout le monde. Tout le monde est d'accord. Ouais, ouais. Y'a plus d'exir, c'est as. Faut virer quelqu'un dans le clan, je peux pas venir. Oh, mais moi pourquoi aussi, je peux pas venir, mais. Vous virer. J'améliore la caserne noire, les gars, avec un livre ou un. Ou les gemmes. Attends, non, y a pas besoin, t'as pas besoin de l'améliorer, la caserne noire. Vos mains sont liées. Si on te fait jouer dragon, t'as pas besoin. Ok, ouais, bah décidez-vous alors, j'attends quoi? J'attends là? Améliore les camps militaires, camps militaires. T'améliores tous ouais, les camps militaires. Mais j'ai plus. Améliore les 4. Mais t'es malade? Tous les camps militaires. Mais frérot, j'ai 2 millions d'élixir! Améliorer la bombe. Oui, mais tu vas attaquer, tu auras de l'élixir après. C'est pas grave, tu vas attaquer, t'es goût, tu seras bon. Tu vas attaquer, tu vas la récupérer. Améliore juste camp militaire. Améliore le laboratoire. Le labo. Laboratoire ou camp militaire? Je peux juste faire qu'un seul truc. Non, le labo il a les trous maxés maintenant. Ouais, le labo il a les trous maxés, c'est bon. Améliore le bâtiment. Il y a bâtiment laboratoire. Pas les troupes, il y a bâtiment. Oui, mais RTTF, il y a une mal. Lui. Améliore le bâtiment à 1,3 million. Attends, t'entends ce qu'il te dit ou pas? Oui. Il t'a dit que toutes mes troupes sont maxées. Non, oui, t'es maxé pour son hôtel de ville. Regarde, c'est dans. Donc là, t'as les troupes maxées pour l'hôtel de ville sans monter ton laboratoire. Où c'est que tu vois ça, frérot? Il n'y a pas besoin d'améliorer le labo. Il n'y a pas besoin d'améliorer le labo. Où c'est que tu vois que mes troupes sont maxées, mec? Non, parce qu'en gros, maintenant. Va au-dessus de attaquer. En fait, quand tu. De l'onglet guerre de clan, là. En fait, quand tu passes d'un HDV, t'as un boost qui met tes troupes au niveau max. Diabo. Ou de HDV. Non, okay. C'est non, au niveau max mec de l'HDV un maintenant. Seul mec. Oh, ouais. Où c'est que je regarde? Ah, vas-y. Au-dessus de attaquer, Locke. En bas à gauche, au-dessus de attaquer, entre l'onglet attaquer et l'hôtel ouais, voilà. Garde clan, t'as un petit truc avec ton armée. Tu vois mon stream ou pas, voilà, démon? Tu vois, tu vois mon stream? Oui, sur Discord, regarde le stream, tu vois les trucs bleus là qui. Tu vois les trucs bleus, Locke? Tu vois les trucs bleus sur tes troupes? Ça veut dire que tu les as au niveau max. Donc ça veut dire que t'es de ton max pour l'hôtel de ville de niveau 10. Et pendant combien de temps? Et tu vois, t'as tes euros 40 aussi. 20 jours. 20 jours. Pendant 20 jours. 20 jours, vrai jour. 20 jours, vrai jour. Mais non. Ouais, vrai jour, ouais. Tu cliques sur l'hôtel de ville, il marquait le boost combien de temps il dure encore. Ok, donc là, c'est ça ne sert plus à rien d'améliorer les troupes dans le labo, on est d'accord? Marqué. Les boosts s'additionnent. Ça met boost. Ouais, ça s'additionne. Ah, ça s'additionne. Donc j'améliore le labo, oui ou merde? Non, non, non. Non, pas non. Camp militaire. Non, améliore pas ça. Camp militaire, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Ouais, camp militaire. Camp militaire, camp militaire. J'ai plus de jus, hein. J'ai plus de troupes pour attaquer. Pas grave. Non, mais camp militaire. RTTF, il a bu. Wesh. Non mais mec, mais si sur deux jeux il récupère que dalle, vas-y c'est trop. Mais ça c'est normal, rien, c'est normal ça. Ça sert à rien ça. Ça il faut piquer chez les gens. Maintenant attaque en ligne. Il faut piquer chez les gens. Quel, là quel est mon objectif? Est-ce que je peux encore claquer des golds, des trucs là? Bah là pour le kiff, ouais si tu veux. Donc améliorer ton village, améliorer tes murs pour que ça ressemble à quelque chose. Mais sinon ton. Non, donne-moi un plan, donne-moi un plan maintenant. Donne-moi un plan e-sport s'il te plaît. Raka, on voit lui un truc. Regarde dans le chat du clan, normalement t'as des plans. Après, Mec, j'ai un million après, de d'encre, si d'encre. Tu veux pas que j'utilise mon encre? Sert à rien. En réel, là, il faut l'élixir. Il faut l'élixir pour finir. Ça n'a pas de sens. Ils veulent. Ouh là, oui, on change. Attends, améliore le labo, le boost est effectif sur tout niveau du labo. Plus labo non, amélioré. C'est le niveau de l'hôtel de ville. Ok, donc lui c'est un des jeunes. Ok. Eh ouais, les gars, j'ai que les meilleurs français là. Taisez-vous.
Bah, RTTF, on ne compte pas dedans vu qu'il est québécois. Moi, j'aime bien québécois. Francophone. Bon, alors, qu'est-ce que je fais là, les gars? Donc là, le but, en gros, là, ça sera d'améliorer tes camps militaires. C'est tout, et après, c'est fini. Je t'ai partagé des bases. En vrai, bon, là, le problème, c'est que je t'explique. Là, j'ai un problème. Le max de 6 heures que je peux avoir, c'est 2,5 millions. Ouais. Oui. Donc, il faut que j'améliore un peu mes 6 heures. Oui, améliore la petite. Bah non, c'est bon, hein. Si, mais comme ça, tu seras large. Mais des gemmes. Tu devras tout améliorer, hein. Regarde dans le chat de clan, il y a des bases. Voilà. Regarde dans le chat. Là, 2,8 millions, ce sera suffisant. Izanagi, c'est bien ou pas? Oui, là, c'est bien. Ok, sauvegardez. Allez, e-sportif. Ouais, c'est ça, c'est une e-sport. Ouais, okay. Ouais, bah, avec des murs HDV6 et des défenses HDV1, ouais, c'est e-sport. Donc, c'est bien ou c'est pas bien? Oui, c'est bien, c'est bien. Non. De base, est-ce que j'augmente mes pièges? Après, sinon, j'ai une antidote, tu vas prendre que des. Les pièges, on s'en fout, les défenses. Okay, j'augmente quoi, les gars, là? J'ai 41 défense millions de gold. Défense antiaérienne. Non, non, c'est rapport pour le look. Et pourquoi j'améliore pas mon roi des barbares, les gars? Non, ça sert à rien. Parce qu'il est déjà maxé pour ton hôtel de ville. Il y a un boost aussi. Tu vois, t'as un boost sur tes troupes, mais t'as aussi un boost sur tes héros. Donc là, t'as les héros maxés. Si tu regardes encore tes héros, ils sont niveau 40. Ok, donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'augmenter les camps militaires. Ouais. Pour pas ouais, avec plus les de troupes comme ça quand tu pourras attaquer. Ok, donc là maintenant, il faut qu'on aille sucer. L'or, pour améliorer avec l'or, c'est les défenses anti-aériennes, mortier, tour d'archer, tour de sorcier, arc X. Et tour de l'enfer. Donc là, les gars, je peux stocker 3,2 millions, les gars. Donc là, il faut que j'aille sucer des mecs. Oui, attaque en ligne. Mais attends, si j'attaque. Si j'attaque. Entraînement. Bon entraînement, puis amuse-toi. Fais tout, t'en as débloqué plein. Fais tout. Ouais, mais attends, mais il faut que je débranche mon encre sèche là. S'en fous, l'or, t'en as. L'or, balance dans les murs. Balance dans les murs si tu veux. Ah ouais? T'en as timer. Non, mais il faut qu'il les mette dans les défenses, l'or. Mais les gars, les défenses, on s'en fout pour lui. On s'en fout. C'est son c'est offensif qu'il doit améliorer. Oui, il doit avoir que donc, l'offensif. Maintenant, il peut balancer son or. Tu balances tout dans les murs et que le. Bah ouais, voilà. Putain, les gars, ça coûte cher les murs. Balance tout dans les murs, Locke, et quand t'es à sec, tu pourras attaquer. Mais attends, mais comment vous faites pour avoir des murs niveau max, bande de malades mentaux là? Ça va partir du temps. C'est 9 millions. T'inquiète, ça coûte pas trop cher. 9 millions, un mur. Les gars, vous avez tous payé ici ou pas? Non. Quoi? Non, mais vous jouez depuis la sortie du jeu. Depuis 10 ans. Bah ouais. Moi, ça depuis 10 ans et t'as jamais payé? Ça fait 10 ans, j'ai jamais payé et j'ai 5 comptes. Moi, j'ai eu les mains liées par contre aussi. Non, franchement, big respect. Méga respect. Méga respect si t'as pas payé. Hein. Vraiment, méga respect, mec. C'est des rats. Le pire, j'ai craqué deux fois sur un pass de combat. Ah bah, t'as déjà payé? J'ai mis 14€. Ouais, mec, t'as mis 14€ en 10 ans, c'est beau gosse quand même. Je te dis la vérité. Vous avez vraiment pas mis plus, les gars? Non. Moi, si. En 3 ans, j'ai un compte alors que j'en ai 15. J'ai 14 comptes que j'ai pas payés. Puis qui sont HDV 12 et plus à 3 ans. J'ai juste payé son. En 11 ans, c'est giga chat de fou de pas payer. Bah, en fait. Non, mais c'est des jeunes, c'est pour ça. Obligatoire. Bah oui, RTTF, il a 13 ans, donc il a pas dépensé d'argent, c'est pour ça. En fait, le truc, c'est que c'est carrément pas obligatoire de payer, genre... C'est pressé. Si, les mages, là, la mage DH15, vous êtes en train de me dire que vous avez pas foutu un euro. Bah, la mage HDV16, j'ai pas mis 1€. Et après, je fais encore HDV16. Mais là, j'ai tous mes arcs X à lancer, j'ai tout mis, et j'ai pas mis 1€. Vas-y, continue. T'es sûr là, j'ai gratté tout mon pognon, c'est pas grave? Oui, on s'en fout. Mais ouais, en fait, ton or il te sert à rien, Loc. On s'en fout de ton or. Enfin, au moins t'as un beau dégradé de mur là, c'est beau. En gros, le truc c'est que les cires tu utilises surtout pour l'aspect offensif et l'or sur l'aspect défensif. C'est quoi les murs que je veux augmenter le plus là dans cette base? Soit blindé. C'est quoi les murs que je veux augmenter au max là dans cette base? Les murs roses, tu les améliores. Tous les murs roses. Ouais. Après, j'ai passé quoi? J'ai passé en. Tous les murs roses, j'ai fait passer en violet? Maxi, c'est des murs rouges. Y'a personne qui a une base qui pourrait juste up ses murs. On voit bien les murs qui pourrait juste les up.
Faudrait que quelqu'un en fasse une en deux spies. Mais j'ai pas de T10 dans le clan. Mais là, c'est un peu trop tard vu qu'il a différents niveaux de mur. Non mais tranquille. Les gars, ouais. C'est bon. C'est bon, rien à foutre. Là, il va juste claquer son or et c'est bon. Et après, tu fais les défis et tu vas comprendre les troupes et tout. Moi, par contre, il y a un GDC. Hein. Okay, un GDC, moi je vais attaquer. On peut commencer à faire un GDC en vrai. C'est quoi ça? Il y a un guerre de camp. Yo, les autres, on va attaquer un guerre de camp. Et moi, je dois venir ou pas? Non, bah, tu peux regarder. Non, t'as déjà attaqué, ouais, le. Il y a déjà attaqué. Le mec, il peut attaquer, hein, le 24. Le 24, les gars, il peut l'attaquer, hein, c'est un TH9 primaire. Ouais. Bon, il y a 24. Moi, je peux éclater un mec ou pas? Quand là, il fait ses attaques. Ouais. Et pourquoi après, il a mis un morceau de mur ici, les gars? C'est pas qu'il y ait de trou. Là? Pas qu'il y ait de trou. En gros, ouais. S'il y a. Tu regardes, t'en as un peu partout, là, tu vois. Si un bâtiment il est séparé de plus de 4 carreaux, t'as des petits carreaux sur chaque morceau de la map, ça fait un trou. Et à l'intérieur de ta base, pour pas qu'il y ait de trou, tu peux mettre un mur. Comme ça, il peut pas mettre de troupes dans ta base. Ah genre là, il peut pas passer là? Non, il peut il pas. Il peut pas mettre une troupe dedans en fait. Ah ok, non, donc les murs ils sont là pour empêcher spawn, c'est ça? Enlève le mur, tu vas voir. Enlève le mur, Locke, tu vas comprendre. Enlève le mur. Mets-le juste sur le côté, par exemple, au-dessus de ton mortier, et tu verras qu'il y aura un espace. Il y a deux petits trous. Ah ouais, là Et là, il peut mettre des trous, ouais. En fait. Ah, ok. Ah, c'est vraiment sportif, j'aime bien. C'est effectivement très sportif. Les deux murs en dessous de l'Arkix du compartiment que tu regardais, c'est la même chose. Ok, et là, quel est mon objectif? Bah, enfin, il s'entraîne pas, en vrai. Donc là, je fais les entraînements pour avoir des vues. L'op qui veut qu'on fasse tête les dragons. Ouais, là, faut qu'il attaque en dragon. Mais alors, donne-moi une formation. Donne-moi une formation. Que tu testes la compo. Bah, donne-moi une formation. Supprime toute ça. Non, fais une attaque, je pense, le mieux, non? Vous voulez pas qu'il attaque pour qu'il continue de chercher? Ouais. Moi, je suis bien, il attaque. J'attaque quoi? Un entraînement? Fais une attaque. Vas-y, fais une attaque comme tu veux. Multijoueur. Avec la. Multijoueur, je vais gagner des trophées, les gars. Oui, c'est le but, Non, c'est pas le but. Il faut que je gagne toutes mes games. Oui, mais si tu veux gagner tes games, faut en lancer. Là, t'as 111. Ouais, mais j'ai peur. T'as une marge encore de 500 trophées. Ok. Même plus. À 111 trophées. Ok, vas-y. Attaque pas. Tu peux autant au moins, je pense. J'attaque pas lui. Fais suivant. Attends, pourquoi j'attaque pas lui? Il va me baiser ma mère. Oui, il va me baiser. Non, les gars, il le démonte. Oubliez pas, il a HDV 10 maxé là. Oui, mais. Alors, pourquoi lui il me baisse ma mère lui? Non, vas-y, attaque-le, Yok. Non, tu le démontes. Non, tu le démontes. Démonte-le, Yok. Je l'éclate. Démonte-le. Attaque. Tu le démontes. Oh, ok, bien vu. Non, c'était risqué. Non, mais les gars, je comprends pas. Soi-disant, je suis le boss, machin. C'est quoi ça? Mais non, mais ils ont pas confiance en toi, Locke. Vraiment, je sais pas ce qu'il faut. Attaque ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Ça prend 3 étoiles. Mais n'importe quoi, ça passe. Non, attends, mec, je gagne 54 trophées, alors, c'est pas bon. Si, c'est bon. C'est pas bon. Le plus éclaté, tu l'as. Le but, c'est qu'il gagne toutes ses attaques. Là, s'il gagne cette attaque, ça marche. Mais t'as rien compris. Non, je gagne trop de trophées. Aujourd'hui, hein. Mais il ressemble à rien, le pauvre. Faut que vendredi. 56 trophées, mec, c'est trop. Ah oui, ok. Aujourd'hui, on s'en bat les couilles, il peut tout perdre. Ah. Bah voilà. Bah oui. Et qu'il choisit une cible et qu'il attaque. Donc, ça, c'est les mecs que je vais avoir vendredi à niquer? Non. Ça, c'est trop simple. Mais tu vas le démonter, hein. Ça, c'est trop simple. Il a toutes les défenses au niveau 1 quasiment. Vas-y, moi j'attaque un GDC. Lui c'est bien, non? Il est vas-y, nul. Comme tu veux, enfin, comme tu veux. Bah ouais, mais 56 trophées. En fait, je pense qu'il va tomber que sur ça parce qu'il est beaucoup trop bas et beaucoup trop en HDV. Quel est mon objectif? En vrai, mais là, vas-y, supprime la compo, tu fais les défis classiques. Ouais, c'est ça. Non, ok, je fais quoi là? Bah sur la compo, tu supprimes. Supprime la compo. La poubelle. D'abord faut que t'enlèves ceux qui sont en formation, sinon elles vont réapparaître direct après. Oui, mais il pourra faire deux fois la poubelle. Ouais, c'est vrai. Deux fois la poubelle, bam. Ah, mais elle est déjà prête. Okay. Tu refais la poubelle, Locke, tu fais ça pareil pour les sorts. Là aussi, les sorts aussi? Ouais.
Ouais, les sourds aussi. Ça aussi. Après, tu recopies la compo que Naraka t'a foutu dans le chat. Dans le chat, il y a une compo normalement. Tu regardes mon stream sur Discord, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que t'as du délai, genre. Ensuite, je vais. Comment tout, vas-y. Ensuite, copier. Tu vas dans le chat et tu recopies la compo. Il y a pas de place, il faut qu'il améliore ses camps militaires. Forme full dragon en vrai. T'enlèves toi automatiquement, tu formes full dragon. Je peux voler 2 millions à un mec en suceur? Non, à ton niveau, tu vas voler peut-être 200-300 000 maxi, tu vois. Mes mains sont liées, qu'est-ce que je dis ça? Pourquoi tu vas acheter une offre là? Ok. Bah, tu feras les camps militaires avec ça, du coup. C'est ça. Ils ont mal fait leur préparation, ces petits cons. Je vous le dis, ils ont très mal fait leur préparation. D'accord, militaire. Ils ont extrêmement mal fait leur préparation. Militaire. Mais ils t'ont fait améliorer trop de trucs, ils servent à rien. Ouais, c'est... Je claque un livre ou pas? Rien, mais gros, c'était... Je disais qu'il fallait pas. Claque des gemmes. Il t'en reste plus qu'un, non? Ouais. Ouais, claque des gemmes. Avec la DGM. Améliore. Ils sont où mes camps militaires là? Ça, c'est un camp militaire. Améliore. J'en ai quoi? J'en ai 3? T'en as 4. Il est au 4ème, je vois pas. C'est en bas à 6h. Gauche. Je le vois lui là. Lui. En dessous du laboratoire. Ah là. Ouais. Ils sont tous niveau 7 là. Il faut que tu les améliores tous niveau 8. Tu déconnes. Si. Ok. Voilà. Non, j'ai pas assez. Si. Non, j'ai pas assez. J'ai acheté 11 millions, j'ai pas assez. Bah, ils si, sont tous là, maintenant. Là maintenant, t'as juste à aller gemmer. Gemme. Là, ils sont tous niveau 8. Une fois que tu auras fini de gemmer le dernier qui est en bas, celui en bas. Ouais, voilà. Voilà, là maintenant, tu peux copier sa compo. Tu peux arrêter de parler là, les mecs là? Il faut que t'améliores ton usine de sort. C'est où? C'est au-dessus. T'en as une au-dessus du laboratoire. Usine là de sort. Ouais, améliorée. Ok. Je claque le livre. J'aime. Okay. Est-ce que tu peux la raméliorer encore une fois ou pas? Ouais, mais j'ai pas les... Non, je peux pas. Non, ok. Maintenant, faut celle noire pour copier Pascal. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Armée 2. Armée 2. Ok. Là, tu la formes. Tu formes la deux fois. Voilà. Ok. Maintenant, donc là, dans 34 minutes, j'ai mes compos. Oui, sauf si tu les gemmes. Non. Donc ok, est-ce que quelqu'un peut me montrer comment faire? Ok, vas-y, dans la carrière. Regarde dans le chat. Quelqu'un peut me montrer exactement comment faire le truc? Genre, je peux observer quelqu'un qui me montre une attaque, et comme ça, et tu m'expliques vocalement pourquoi tu fais telle décision, etc. S'il te plaît, ok? Ok. Alors, hop. Ils peuvent se taire là? C'est quoi la position d'entraînement? Ils connaisseraient en plus. Ilan, c'est ça? J'explore Ilan? Non. Non, lui. Bah, sortez-le du clan, les gars, je veux plus le voir. Sortez-le. Y'a une place dans le clan ou pas? Attends, qui c'est qui va être maître du clan là pour déblayer les noobs là, les gars? Les giga noobs. Moi, Mertetef. Atetef 1, voilà. Chef adjoint. Ouais, par contre. Nettoie-moi, c'est rat! Ouais, j'attaque, puis après ça, je fais ça dans une minute. Ilan, là, dégage-le, je veux plus le voir. Ok, qui c'est que j'observe, là? Moi, regarde. Mais vas-y, c'est toi, Izanagi? Ouais. Tu vois, je fais quoi, attaquer ou explorer? Non, attends. Non, attends. Faut que je mette la compo. Par contre, j'aurai que cette base de dispo, et c'est bon. Ok. Attends, là t'attaques un vrai mec là? Bah, c'est moi qui m'attaque.
Mais comment tu t'attaques toi-même? On peut pas on peut en fait. Du coup, tu vois les sorts que j'ai là, les foudres. Ok. J'en ai 12. Et du coup, je vais en mettre 4 sur chaque défense antiaérienne. Parce que c'est ce qui fait le plus mal au dragon. Donc, ça, c'est ce que je veux faire tout le temps. C'est ça? Ouais, oui. Tout le temps. Je veux d'abord supprimer les défenses antiaériennes. Et c'est quoi les défenses antiaériennes? Bah, c'est ça là les... que j'enlève. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, c'est ça, les gars. Ouais, ouais, c'est ça. Là, il en enlève 3. Comment il tue les archers en même temps? C'est un boss. Et t'attaques par en haut? En gros, là, il fait sortir le château de clan avec ses héros. C'est-à-dire qu'il y a le château de clan, il y a des troupes dedans, il déploie des héros pour que les troupes du château de clan Il a mis sa reine, il les tue. Ouais. Et le king. Et son roi. Et c'est tout. Et un bébé dragon. Non, il a rien mis d'autre. Pourquoi c'est un bébé dragon? Ça fait quoi? Le bébé dragon pour, permet. C'est pour funnel les troupes. Et là, il met des montgolfières ici. Un mini dragon ici. Et ensuite. Et ensuite, tu balances les dragons là où j'ai. Où il reste la défense antiaérienne. Et là, t'envoies tout ce que t'as là. Ouais. C'est ça. Et où il reste la défense antiaérienne, c'est ça? Ouais. Ouais. Et là, normalement, ça passe. Et là, après, t'attends et tu regardes. Là, t'as juste à regarder. Y a plus rien. Bah, y'a que le centre qui est chiant. Ok, donc si je résume, les gars, c'est. Je mets les potions laser là, éclair là, sur les autres défenses antiaériennes. Ensuite, je focus le château de clan avec mes troupes au sol. C'est ça. Et si le château de clan, genre, il est au centre de la map, je fais comment? Tu peux le faire sortir avec... Les dragons, ils les prendront au pire. Non, mais les dragons, ouais. Mais là, c'est pas le meilleur exemple, puisque c'est une base anti-2, donc il est plus dur à faire des étoiles. Ok, et après, il reste une défense antiaérienne. Parce qu'à mon niveau, il y en a que 4, c'est ça? Ouais, oui. Et du coup, donc j'ai assez de laser pour en tuer 3. Oui. Et du coup, après, j'envoie toutes mes troupes là où il y a la défense antiaérienne. C'est ça. Et là, t'attends. Et là, j'attends comme un noob. Mais pourquoi il perd? Et pourquoi il va perdre là? Pourquoi il perd, les gars? Parce que tu vois, il a mal attaqué. C'est une anti 2 étoiles. Ce qui est fait pour faire tourner tes troupes et pas aller sur l'hôtel de ville. Ouais, par contre, Fan, hein, t'es acheté à Sierra et j'étais chaud quand même. Oui, bah, tu veux que je fasse du lalo, sinon là je vais pas fail. Hein. Je sais pas ce que t'avais dire, mais vas-y. C'est pour ça que j'ai dit que c'est aléatoire. Tu vas faire une vraie game, genre une vraie game que je vois? Mais entraînement. Ouais, mais. Eh, les gars, moi, rien envoyé, j'ai rien demandé dans le château de clan. Faut que tu supprimes ce que t'as déjà. Ouais, et là tu mets dragon. Je demande quoi? Tu demandes... Attends, il avait quoi dans le château de clan? Regarde mon stream. Dragon et... C'est pas dragon électrique, broyeuse. C'est dragon? Ouais, c'est dragon. Dragon, ballon, et après broyeuse. Ok, donne-moi le nombre de trucs que je demande, frérot. Demande un dragon. Okay. Non, un hydrag? Mais pourquoi un dragon? Ah oui, un hydrag. Ok, demande un hydrag. Un dragon électrique, c'est lui? Ouais, voilà. C'est lui? Ouais. Un ballon. Oui, un ballon. Ballon, il est tout début. Ouais, tout début. Ouais, lui là? Parfait. Oui. Oui. Ensuite, un zap 2, bien sûr. Ça? Voilà. Oui. Ouais. Puis un gros ballon. Le gros ballon. C'est lui? Voilà. C'est ça. Oui. Ok, et ça, je mets quand la bannière de clan? En même temps que tes dragons. Ok, donc à la fin, quand je burst, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, j'ai compris, les gars, je crois que j'ai compris. Y'en a qui se sont plaints. Yo, je vais juste changer des paramètres. Va juste dans les paramètres. Paramètres supplémentaires. Puis là, t'as un truc qui s'appelle secousse à l'écran. C'est le 6e truc. Ah oui. Oh, merci. Ben non, oh, merci. Parfait. Merci, j'ai l'impression que ma chaise elle vibre avec les trucs. C'est bon, c'était juste ça? Ouais. Ok. Quel est mon objectif maintenant, les gars? Là maintenant, faut qu'il te lance des défis et que t'essaies d'attaquer, de reproduire ce que t'as mais vu avant. Il devrait faire les entraînements en vrai. Hein. Ouais, entraînement. Quelqu'un peut lui lancer.
Non, mais il peut y faire les entraînements. Puis là, t'es fait tout. Les gars, y a même pas besoin. J'ai compris la strat. Et vendredi, je vais appliquer cette stratégie. Et mon encre noire, là, je peux pas la claquer quelque part, là? Bah non. Non? T'as des livres de héros? Ok, donc là, on est bon, les gars, on peut s'arrêter là. Mec, tu veux regarder la GDC? Tu veux que je regarde la GDC? C'est combien de temps? Parce que là, moi, je pars, là. Je sais pas, mec, tu peux regarder des attaques, hein, s'il y en a qui veulent attaquer, puis... Non, ça me sert à rien de regarder des attaques. Non, je veux regarder des mecs qui attaquent de ma manière, donc comme je vais attaquer moi. Vas-y, hein. Dans le cas, cette personne. Je regarde qui? Izanagi, t'es mon level ou pas? Ouais, c'est bien ton level. T'es HDV10? Ouais. Vas-y, fais voir. RTF, t'es chaud, tu m'ajoutes? Je t'ai envoyé une demande sur un compte. Vas-y, Izanagi, montre-moi. Ok, montre-moi une vraie game. Là, t'es contre un... Non mais attends, pourquoi t'es contre la même base là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est pas des bases que je vais affronter ça, mec. Ouais, RTF. Ah, tu veux que je fasse en multi? Oui, vas-y, sors de là. Vas-y, je vais faire en multi. Ah. Mais le mieux, ça serait pas qu'on lui fasse attaquer des HDV9, les gars? Non, parce que j'ai gagné des trophées. Si je gagne des trophées, les gars, c'est mort. Non, mais juste non, des HD en défi. Attaquer des HDV9 en défi pour que tu t'entraînes. Comment je vais? Bah, un HDV9 rejoint le clan et on te met des défis et t'attaques. Ouais, j'ai un HDV9. Bah, pire, attends, je te add et tu me. Et tu penses que je vais attaquer? Mais c'est 4000 trophées. Mais comme ça, tu vois, Locke, tu t'entraîneras. Ajoute-moi. Y'a un mec qui l'a dit, dites à Locke de prendre un bouclier, sinon, comme il est super bas en trophée, les mecs qui vont l'attaquer vont tous faille. Ouais. Non, mais en fait, quand il attaque, il va prendre un bouclier. Faut qu'on s'en fout un peu. Hein. Je t'ai add sur ton compte principal, RTTF. Ok, là, je regarde Izanagi ou pas? Moi aussi. Là, je refais une attaque sur moi. Mais je m'en fous, frère. Je te mets un défi avec mon compte Vasago, t'attaques, tu fais ce que tu veux. C'est un compte qui est un hôtel en dessous. Et je vais pas perdre mes troupes là? Non, tu perds pas tes troupes. Ni ton château de clan, ni rien. T'inquiète. Ok. Donc là, je peux vraiment m'entraîner de ouf là en fait sur toi. Ouais, tu peux t'entraîner. Ouais. Mais attends, mais j'ai pas toutes mes troupes là. Tu fais modifier l'armée, Locke. Tu fais copier l'armée actuelle. Normalement, si tu l'as déjà formée, ça se développe. Ouais, mais elle est pas formée au max, non? Si? C'est bon, et là tu fais sauvegarder. Ok, et là je peux t'attaquer en répétition. Et là tu m'attaques. Ok, taisez-vous. Non mais tu te fous de ma gueule? Je sache que je suis un hôtel de ville en dessous de toi, Locke, tu vois. Donc tu peux tomber contre des HDV. Mais t'es riche! Ok, laisse-moi me concentrer. J'ai reçu, l'accepte. Bien vu. Ah, y'a tellement de monde. Le design de la base, il l'aura pas. Mais des bases comme ça, tu l'auras. Pour répondre à ta modo. Parce que oui, c'est vrai, des bases un peu comme ça, t'en auras pas forcément, mais des hôtels de ville HDV9 un peu plus. Comment je bouge ma caméra? Là. Et il reste quoi, les gars? Tu peux utiliser les souffleurs. Aussi. Les quoi? Tu peux cliquer puis tenir pour bouger la map. Voilà, parfait. Ok. En gros, le clear, t'as. Le clear, il est où le château de clan? Il est où le château de clan? Il est au milieu. Tout le clan, il est en plein milieu. Où? Là où c'est écrit Team Squelette. Ouais, c'est ça. Ok, et là, comment je fais pour l'attaquer? Il est méga loin. Faut que tu fasses un funnel. C'est des défis, Locke. Essaye, c'est des défis. Ouais, tu peux attaquer 15 fois le village. Ok, c'est parti. Mais sache que le truc qu'on t'a donné, là, le broyeur de pierre, l'engin de siège, c'est hyper fort. Donc tu vas forcément perdre. C'est quoi l'engin de siège? C'est le truc qu'on t'a donné que t'as dans ton château. Le truc dans ton château. Prends mon débile, il attaque en rond là, il casse les couilles lui. Mais les gars, en vrai. Là faut que tu mettes tes dragons. Ouais, non mais en vrai, les gars, dragons, en vrai. Dragon, ballon. Ouais, et en vrai. En haut. Ouais. Plus rien à foutre. Ballon. Non, pas les mêmes. Plus rien à foutre, les gars. Let's go, baby. Je te jure, tu vas percer tes villages comme ça. Hein. Quand tu dis je vais perdre, ça veut dire je vais gagner. Tu vas faire la 3 étoiles. C'est exactement comme ça que j'aime quand tu parles.
Le clear, vraiment, faut que tu fasses... Tu mais j'ai pas de potion, j'ai rien, j'ai pas de potion, j'ai rien. Non, non, là t'as juste à regarder et admirer le travail. Ah ça, ça tu vois, c'est comme ça que tu me parles. Mais Locke, faut que tu fasses attention à quelque chose. Il y a un truc qui s'appelle des souffleurs. C'est les trucs qu'il y a au milieu, là, les petits ouais, trucs... Ouais, 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 et alors? Et ça, si tu le mets... si t'attaques d'un côté où il y a un souffleur, il y a beaucoup de chances que tu fasses... Tu puisses louper ton attaque à cause de ça. Faut bien voir dans quel angle et dans quel angle est le souffleur. Pour pas que tu mettes tes troupes en face du souffleur. Putain, mais casse les couilles les dragons, là, pourquoi ils tournent? Non, mais là, t'inquiète, c'est bon, ça perd. 3 étoiles. Regarde, t'as encore tous tes dragons en vie, tu peux faire une deuxième attaque si jamais. Mais par contre, la prochaine fois, tu fais la même chose, mais dès le début, tu vois. Parce que là, t'as mis trop de temps avec tes héros, donc tu vois, niveau temps, t'es un ouais, peu récrate, quoi. Ah ouais, 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 j'ai vu qu'il y a un timer là, il y a un timer. Mais là, c'est bon, t'as 3 étoiles. Donc on est d'accord là, ce que j'ai fait, c'est la bonne méthode. C'est. Oui, je supprime vite tous les anti-aériennes ouais, avec mes potions. Mais là j'ai tué toutes les anti-aériennes, non? Il en restait pas oui, une seule. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est parce que c'est ce que je te disais. T'es à HGV 10, donc t'as un hôtel de ville de plus que moi. Donc mes défenses donc j'ai sont moins maxées. Une anti-aérienne de plus que toi? C'est ça. Non, okay, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait tes sorts de base font plus de dégâts vu que t'es plus haut en HDV. Donc t'as besoin moins de moi pour me détruire. Mais si t'attaques un hôtel de ville, tiens les gars, j'ai compris. Je suis un boss. Tiens, je te remets un truc. T'es prêt à cliquer? Non mais c'est bon, c'est bon. Plus vite. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vas-y, hein. Non, non, c'est bon. Attends, je te remets un défi avec... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. T'as pas confiance? Non, c'est bon, j'ai gagné. Mais tu vas gagner 15 fois d'affilée, hein? Non. Faut gagner 15 fois d'affilée. Non, mais qu'est-ce que t'en sais? Mais là, c'est sûr que tu vas gagner 15 fois d'affilée. Mais oui. Mais comment ça? Comment vous savez les règles, déjà? Qui t'a dit qu'il fallait gagner 15 fois d'affilée? Allo? T'es mort? Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Ah non, moi j'ai juste dit qu'il allait. Moi j'ai juste dit qu'il pouvait me démonter 15 fois d'affilée. J'ai juste dit ça. Ah ok, tranquille. Ouais. Parce que. Bah les gars, merci de m'avoir coaché. Je pense que là on est bon. On est bon là? Oui, on est bon. Ok, bah merci les gars, merci, passez une bonne soirée, souhaitez-moi bonne chance. Bonne soirée. La team squelette, je suis tout avec vous les gars. Vous avez gagné une Tesla, vendredi point exclamation Clash of Corp, et je vais donner l'iPhone 15 maintenant. Très tardivement les gars, j'ai failli l'oublier. Ok, alors attendez, laissez-moi juste ouvrir mon truc. Clac. iPhone 15, vous tapez, mesdames et messieurs, point d'exclamation, Clash of Corps, tout en minuscule. Attends, il faut que je repasse en putain de truc à faire. Merde, attends. C'est parti, déchirez le lien, mesdames et messieurs. Point d'exclamation Clash of Corps. Inscrivez-vous sur le lien, mesdames et messieurs. Un iPhone 15 à gagner, une Tesla. Là, ce soir, c'est un iPhone 15, c'est pas la Tesla. La Tesla, vous la gagnerez vendredi, ok? Je compte sur vous, votre soutien, les gars. On sera sur le live d'Inox, les gars, ça va être une dinguerie, ok? C'est une folie, les gars, c'est une folie. Il y a tellement de cadeaux, inscrivez-vous sur le site, il y a encore plus de cadeaux, les gars. D'ailleurs, attends. Il est où, mon cadeau? Putain, si j'en gagne un, je le fais gagner tout de suite en plus. Les gars, si j'en gagne un... Comment ça, 22h? Les gars, il avait écrit 39 minutes tout à l'heure. Ah, c'est bon. iPad Air! Hein? Scamaz! Ouais, c'est bugué un peu, je crois. Moi aussi, c'était bugué. Ah ouais? Bon, bah, on va attendre tout à l'heure. Peut-être que tout à l'heure, ça va s'afficher. Hein. Ouais. Mais voilà. C'est pas qu'à minuit? Non, c'est pas qu'à minuit. C'était bugué parce que. Non, c'est une fois par jour. C'est une fois par jour. Oui, une fois par jour et ça reset à minuit. Ouais, c'est ça, ça reset à minuit, mais là, c'est bizarre. Faut l'actualiser la page pour que ça marche. Pour actualiser. C'est ce que j'ai fait. Bah moi ça a marché.
Bah, beau gosse, t'as gagné ou pas? Non. Chier. Yeah. Je sais pas si on peut vraiment. Y a que 600 personnes qui ont mis point sur Clash of Corps, les gars. Gagné. Donc, tentez d'essayer. Vous avez mis Clash of Corps, les gars, c'est bon? Ouais. Tout ouais, en minuscule, les gars. Vous l'avez mis là, tout ce sur Discord? Ouais, ouais, faut le mettre sur le live. Qui gagne. Ouais, sur le live, ouais. Là, c'est iPhone 15, là. Et mec, c'est une chance sur 600, là, en vrai, vu qu'il y a que 600 bots qui veulent le mettre. Tout en minuscule, c'est bon. Bon bah y a que 700 personnes les gars, donc en vrai ça fait une chance sur 700, c'est pas mal hein, en vrai. Une chance sur 700 c'est pas mal. Ouais. Franchement, si c'est l'un de vous dans le Discord qui gagne, franchement je suis méga content parce que là vous le méritez de fou en fait vous. D'ailleurs, c'est quoi? Le gagnant, il aura une chance, si tu gagnes l'iPhone 15, si quelqu'un dans le chat le gagne l'iPhone 15, il aura le choix de soit le donner à l'un des mecs qui m'ont aidé sur le Discord, ou à le garder pour lui, ok? Et après je ferai un tirage au sort entre vous les gars sur le Discord, ok? Vas-y. C'est vrai que s'il le garde pas pour lui. Mais s'il le garde pas pour lui, c'est GigaChad. Eh mec, vous serez surpris. C'est les périodes de Noël. Il y a des enfants plus que gâteux dans le chat. Tu n'as pas idée. Il y a des mecs, ils en ont déjà deux dans leur poche actuellement, mec. Et tu sais, eux, ils préfèrent le pro. Tu vois, ils sont pas trop iPhone 15 normal. Tu sais, ils préfèrent le 15 pro. Tu vois. Ah ouais, bah les gars. Ah oui, je t'assure, mec, tu serais surpris, mec. Moi, des fois, j'offre des MacBook à 3000 balles. Le mec, il me claque même pas un sourire. T'inquiète pas. Ah oui. C'est quoi, j'ai MacBook? Donc c'est parti, j'ai trop hâte de voir le message du mec là du coup. J'ai trop hâte de voir le message du mec. C'est important de savoir si vous gagnez les gars, vous avez le choix, on le reçoit, le donner à quelqu'un qui m'a soutenu et qui m'a appris à jouer, qui m'a fait dépenser aussi 350€ aussi, 370€ sur le Discord actuellement, ou le prendre pour lui, voilà. Ok, c'est parti, je vais choisir le gagnant. Dernière chance, dans une minute, je choisis pour l'installation Clash of Corps. Cliquez sur le lien qui s'affiche. Les modos, spammez le lien, s'il vous plaît. Et inscrivez-vous, vous avez une autre chance de gagner un iPhone sur le site en vous inscrivant gratuitement, les gars. Tout est gratuit. Et bien sûr, si vous voulez gagner la Tesla aussi vendredi, il va falloir vous inscrire sur le site. Ok? Donc il faut s'inscrire partout, les gars. Tout est gratuit. Et comme ça, vous avez des chances tous les jours de gagner un iPhone, une trottinette électrique ou des trucs. Et les gars, c'est Noël. Moi, jeudi, je vous régale. Je pense que je vais dépenser encore des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros dans vos gueules qui vont même pas me claquer des sourires pour vous faire plaisir. Donc ouais. En tout cas, on a fait beaucoup de paix, les gars. C'est très bien parce qu'on va bien pouvoir vous régaler cette année, les gars, encore. Parce que il y a un monde où tu vas rejouer à COC ou pas après l'OP? À quoi? Tu vas rejouer à Clash ou pas après l'OP? Clash of Clans? Ouais. J'en sais rien, mec. Moi, je te dis la vérité, j'aime pas les jeux dans ma poche. C'est trop dangereux. je te dis ça vraiment, ouais, sincèrement. Je vous dis ça sincèrement. T'as découvert le jeu en payant aussi, c'est pour ça. Ben, mec, là, tu vois, déjà, j'ai eu déjà plusieurs fois l'envie ces derniers jours de sortir mon tel et d'améliorer mes trucs, tu vois. Mais après, en vrai, c'est chill parce que tu le fais une fois par jour et c'est fini, hein, en vrai. Tu vois. Ah ouais, En vrai, c'est chill. Ouais, mais moi, je t'avoue que j'ai très peur. J'ai très, très peur de tomber addict et tout. Tu sais, je me connais, après, mec. Ça fait 10 ans que je joue, j'ai dépensé 14€. Non, mais toi, t'es un giga beau gosse. T'es un giga beau gosse. Je joue une fois par semaine. T'es un giga beau gosse. Et en plus, t'as vraiment capté l'arborescence du jeu et tout ça. Après, moi, je suis un vieux. Tu sais, quand tu me fais jouer à littéralement un RTS comme ça, moi, je suis vraiment en mode, vas-y, je veux jouer à un RTS, tu vois. Genre Starcraft, après, tout comme ça. Vu que j'ai pas le temps trop de jouer, je joue une fois par semaine, je lance mes améliorations, ça met 14 jours à s'améliorer. Mais tu sais quoi, je touche plus mon téléphone pendant 2 semaines. Mais tu sais quoi, pour le moment on est bien parti. Là le jeu il est quand même installé sur mon tel. On est là et je vais essayer d'améliorer 2-3 trucs avant vendredi, on verra, ok? On verra. Ouais. Bon, je vais cliquer, les gars, tout le monde a fait? C'est bon, tout le monde a fait? Oui, il y a TH Maxé, non? C'est Emma de Japri. Emma de Japri. Bien joué, Emma. Est-ce que t'es là, Emma de Japri? Oui, Emma de Japri. Félicitations. Slash user Emma de Japri. Alors, Emma de Japri, tu as gagné un iPhone 15. Est-ce que tu veux le prendre pour toi? Ou est-ce que tu veux le donner à quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre sur mon Discord qui m'a beaucoup aidé? Je te mets pas en péleste. J'ai déjà pris ma décision. Alors, c'est quoi?
tu fais durer le suspense en plus. Alors tu le gardes pas, tu l'offres à quelqu'un de ta famille, non? Ouais, je suis d'accord avec ça. Hein. Franchement, fuck les mecs sur Discord, je le prends. fuck les mecs sur Discord, je le prends et je te donne la daronne direct. Non, elle a dit je vais le donner à un gars du Discord. Oh, t'es sûr, Emma? Emma, t'es sûr, tu l'as gagné, tu veux l'offrir à quelqu'un de ta famille et tout, t'es sûr? Non, c'est... En plus, je suis désolé, mais les Canadiens, je suis même pas sûr si vous êtes éligibles. Je suis désolé. Bon, de toute façon, j'aime pas les Canadiens. Vous êtes combien de Canadiens là? Combien? Il y a deux Canadiens là? Non, j'aime pas les Canadiens. Non, mais il y a deux Canadiens là, non? Non, il y a RTTF. Il y a RTTF. Il y a juste RTTF? Non, mais là, dans tous les cas, moi je suis team. Voyons, je regarde Paris, je suis team. Ah non, Emma, les gars du Discord, vous le laissez à Emma? Ou est-ce que vous voulez qu'on tire au sort dans le Discord? Vous le laissez à Emma ou est-ce que vous voulez laisser à... Attends, redemande-lui, Locke. Redemande-lui. Elle a dit oui, je suis sûr. Elle a dit oui, si je suis sûr, je donne un gars du Discord. Elle a dit, hein. T'es sûr, parce que peut-être que pour la hype, elle a dit ça, mais faut qu'elle réfléchisse. Ok, non, mais frérot, elle a l'air vraiment. En vrai, ça me fait trop plaisir de le donner au gars du Discord. Putain, c'est trop beau. Et du coup, si je donne au gars du Discord, c'est qui? C'est entre qui? Heroes, Naraka? Si il est au Canada, je suis chaud. Hein. Moi, je suis chaud. Je crois pas RTTF, je suis désolé, frérot. Chaud comme des... En plus, tu m'as beaucoup soutenu depuis le début et tout, je suis désolé, mais au Canada, frérot, je pense que c'est pas dans leur truc. C'est loin un peu. Hein. Au pire, on fait 50-50 avec Naraka, tu prends la coupe. Bon, attends, du coup, il y a Naraka, Skistou, il a parlé ou pas? Ouais, en léger au début, mais après, je vais laisser les mettre. Moi, c'est bon. T'inquiète, je fais quand la vie, Skistou? Moi, j'ai 18 ans et j'étudie là. Ouais. Ok. Putain, Emma, elle a dit non, je suis sûr. Merci, Emma. Est-ce qu'on peut avoir des cœurs pour Emma, les gars, qui a laissé un iPhone 15, putain? Ok, maintenant, il faut que je tire au sort entre qui? Vraiment. Entre Démon, Airoz et Naraka et Skistou. C'est ça? C'est ça? Je crois bien, ouais. 4 personnes. Oh là là. Ok? Oh là là, et Emma, oh là là. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça, les gars. Moi, Emma, je te dis, j'aurais offert avec quelqu'un de ma famille. Si, là, là. Je pense que j'aurais fait la même. Hein. Ah, mais 100%. Mais elle a joué le jeu jusqu'au bout, frérot. Elle vous a régalé comme vous m'avez régalé, les gars. Donc, iPhone 6, moi, je le garde. iPhone 15 Pro, iPhone 15 normal, là. Oui, non, mais si, moi, je suis sous iPhone 6. Ok, attends, on va essayer de faire un truc drôle. Attends, il y a combien de couleurs là-dessus? Par tous les mecs en vocal, non? Je sais pas. Est-ce que c'est possible pour au lieu de favoriser un? C'est pas bon. Attends. Je t'aide. Au pire, tu sais pas, tu prends la somme du truc et on se le dit. Non, je peux pas. C'est vraiment un iPhone 15. C'est pas moi qui le donne. C'est ouais, mais entre nous plus tard, tu vois, genre j'en sais rien si. Non, mais les gars, c'est la précarité étudiante. Non. Je peux pas donner d'argent. Les gars, je vous donne un iPhone 15. Je m'en bats les couilles. Ce que vous avez en vrai, mais ok. Commence pas. Ok, donc là c'est très simple. C'est entre Démon, Heroes, Naraka et Skistou. 4 personnes, ok. Démon, t'es le numéro 1. Heroes, c'est le numéro 3. Non, 2, pardon. Putain, c'est le 3 de ton pseudo. Ok, notez-le, les gars, je vais l'oublier, hein, d'accord. Ok. Naraka, t'es le 3. 2. Skistou, t'es le 4, ouais. Ok. Serrez les fesses. Avant toute chose, les gars, on fait quoi? On fait celui qui là, il divise par 4. Attends, mais pourquoi? Quoi? Par contre, son sveille, ça change. Roue de la chance. Ok, roue de la chance. Moi, je peux pas donner d'argent, les gars, je suis en précarité étudiante, en études. Non, mais les gars, gagnez l'iPhone, vous prenez l'iPhone et vous vous taisez. Oui, c'est tout. Non, mais c'est pas compliqué, les gars. Ouais, c'est ça, compliqué. On s'arrange ensemble plus tard, les gars. Voilà. Merci encore, Emma, les gars, et remerciez Emma vocalement parce qu'elle vous a régalé. Elle vous a régalé. C'est bon. Parce que c'est elle qui l'a gagné, c'est elle qui vous l'offre. Ok, vous êtes prêts? Ouais, merci, Emma. Vous êtes prêts, les gars? Merci. Une chance. Vas-y, hein. Ah, vous avez vu? Ah non, merde, vous voyez en retard. Oui, on est en retard. Vous avez vu en retard.
C'est moi. C'est Heroes. Quoi? GG frérot, t'as gagné un iPhone 15, mec. J'ai mes modos qui vont te contacter, qui vont te prendre. D'ailleurs, bah bouge pas, hein, on va te les prendre vocalement, mais pas ici. On va te switcher de channel et on va prendre tes coordonnées. GG, t'as gagné un iPhone 15. Oh merci. Takash, tu fais quoi la vie? Je suis en fac de droit et j'ai 21 ans. T'as quoi comme téléphone actuellement? J'ai un iPhone 6. Ah bah c'est bien. Oh l'upgrade. Ouais. Ok, sache que ça prend jusqu'à 3 mois pour recevoir l'hôtel, ok? Et GG à toi mec, merci pour tout l'aide les gars, vous avez été géniaux. Je fais des gros bisous.